Gentlemen, we are live! Bonjour, dickheads! Salut les français! Euh, cet épisode va être en français majoritairement. Il y aura de l'anglais aussi, mais il y aura des sous-titres euh, euh, français pour les parties anglaises dans quelques jours. Normalement, vendredi, euh, le 14, 15 mai, je sais pas. Reviens si tu parles pas anglais en gros. Pour les parties, on parle anglais. English speakers! this is another french episode i know we've had a lot i promise next week's is going to be in english so if you don't speak english the english subtitles will be available uh, at the end of the week on friday uh, the 14th or 15th i can't count dates and i can't be bothered opening my calendar app ladies and gentlemen welcome back to another episode of paul taylor's happy hour live happy hour i'm not fucking happy i'm angry i'm always fucking angry Alright, ladies and gentlemen, uh, mesdames et messieurs, bonsoir. On est, euh, c'est lundi euh, 10 mai, le lundi 10 mai, comme tous les lundis à 20h. Euh, je suis ici au studio avec un guest pour partager une bière ou une boisson euh, et parler avec vous. C'est vous qui décidez ce qui se passe et. Euh, Enfin, plus ou moins, parce que, voilà, vous êtes là. On vous voit dans le live. Hi there, Paul Tadale. Hello, Tadale. Hello, Vinit colotte Hello, Vinit colotte Donc, c'est à vous de poser les questions sur ce que vous voulez ce soir. C'est le temps d'accueillir mon guest, ma guest. Je ne sais pas si on dit mon guest ou ma guest, si la guest, elle est féminine. It doesn't matter, Paul. Shut up. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Miss Swan Perisset Uh, ramen le micro, la chaise. Yes. Hi there. Hello. Hello, what's up I'm all right Bonsoir, tout le monde est là. Ok, cool, super. Uh c'est trop bien. Bonjour à tous. Bonjour Virgin bonjour DC10, bonjour Snow, c'est p Ah ah, il y a un petit truc, là. Il y, a... il, y a, il y a un petit ouais. truc, là. Ah ouais. bah c est, c est, tu sais, je crois que t'as le record de la personne qui l'a qui repéré incroyable. le plus vite possible. C'est un, un de mes fans qui s'appelle Fred. J'adore, bravo, c'était euh, incroyable. Qui verlanise le nom de la personne et la tête. Ah ouais, d'accord, donc c'est vraiment l'un des, des tiens. Quoi. Moi, ouais, donc assez toi, assez en verlan, c'est Naus Seripé. Moi, je trouve ça plus stylé comme ça. Seripé, ça donne un petit côté Et sirop, bah, vo hein, bah que... voilà ton... Ton truc Tinder pour ton, ton pseudonyme Tinder. Bah, dis, euh, euh... Je commence direct par expliquer <laughs> ce qui s'est passé ou quoi. Donc en fait, je vous explique. Non, je, je, je leur dis. Ouais, ouais, suis... mais attends, ouais. Avant, avant, attends. Euh, oui. Avant ah, je, enfin, je me présente. Ouais, présente-toi. Okay, euh, T'es qui Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je cherche les bières et je. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Swan Périssé. Je suis humoriste et j'ai deux chaînes YouTube. Une chaîne YouTube dans laquelle je suis humoriste et je raconte ma vie et plein de storytelling autour de ça. Et j'ai une autre chaîne qui s'appelle Vert chez vous dans laquelle je me rends chez les abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Donc, en gros, euh, je fais du stand-up et je fais de l'écologie en bricolage. Et avant, je faisais beaucoup de scènes. Ouais. <laughs> et maintenant, je suis chef d'entreprise aussi. Et je vis dans une caravane. Bref, euh, il <laughs> y a beaucoup de choses à expliquer. Et ce soir, c'est vraiment le, le live de la clarification, je pense. Euh, oui, Mais exactement. Euh... Bah, tu sais, euh, ces bières, c'est mes bières préférées. C'est des bières écossaises. Et j'ai pensé à toi. Parce que leur, euh, leur packaging, c'est écrit Buy one, get one tree. Sur le jeu de mots Buy One Get One Free. Mais ah. en gros, tu t'achètes un pack et puis il plante euh, ouais. un arbre. Et du coup, c'est écolo, donc tu t'es dit c'est pour ça quoi. Ouais, c'est ça. Allez, Mais de toute façon, t moi, je les bois euh, toutes les semaines. donc euh, la bière, c'est pas du tout écolo. Allez. Mm. <laughs> right. C'est trop bien. Hein. Donc, est-ce que tu veux expliquer le truc de Tinder tout de suite Parce ah, qu'on oui, avait eu une discussion <laughs> donc, donc, 5 je... minutes avant ouais. d'aller live. Je suis beaucoup sur les applications de rencontres. Et euh, je, sais, je savais pas trop est-ce que j'ai un pseudo, est-ce que j'ai pas un pseudo. En même temps, c'est un peu stylé. D'être youtubeuse, tu vois, et d'être un peu connue. Et en même temps, j'ai pas envie que ce soit mes abonnés qui matchent avec moi, tu vois. c'est un peu bizarre. Non, mais, tu sais, c'est bizarre. Ils, ouais. genre, ils connaissent toute ma vie, euh, ils savent tout, tout ce par quoi je suis passée, etc. Donc j'aime bien rencontrer euh, des gens qui trouvent ça intéressant, mais qui ont un peu de distance. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre un pseudo. Et mon vrai prénom, c'est Swan avec deux N. Et sur Tinder, c'est Swan avec un N. Super. C'est hein? stupide. Ouais, parce que les gens, ils t'écrivent, salut Swan avec un N. Et tu <laughs> dis, en fait, c'est avec deux ouais, N. ça me mais... saoule parce que chaque fois qu'ils me parlent, ça me fait des fautes. Donc ils me saoule <laughs> Je trouve ça pas respectueux, tu vois. Et, <laughs> et ils me reconnaissent. Ou ils pensent que je suis oh. un vieux fake. Moi, je pense que maintenant, je vais m'appeler Swan avec un N série P. Grâce à, grâce à vous, finalement. Ouais, c'est ça. C'est super. Remercie, euh, euh... Euh, il s'appelle Fred. Et il avait commencé par faire euh, des, des, moi, mon nom à l'inverse. Et ça m'a pris longtemps et à comprendre. Ça, comprendre euh, à 4. À 4. Ouais, que quelqu'un m'a dit, en fait, Paul, c'est un mec qui fait... Euh, ah ouais, OK. Et donc, maintenant, il fait ça avec tous les... Tous les, euh, tous, <laughs> tous les tous les tous les invités. Et il y a des gens qui me demandent si j'ai garé ma caravane en bas de chez toi. Non, j'ai laissé ma caravane là où je vis en ce moment dans les Alpes. Qui, 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 qui... Ah oui, euh, c'est Fanny Lambotte. Ouais, parce que je vis dans une caravane. Voilà. Oh hi Fanny Lambotte. Hi Fanny. Et euh, c'est beaucoup plus stylé avec l'accent anglais. Fanny Lambotte. Fanny Lambotte. Non, je fais trop <laughs> mal. J'ai vraiment fait avec un accent du sud. Suis... Rien ne va. Euh, donc, euh... alors, parce qu'on a fait exprès, Swan est arrivé il euh, euh, y a une heure qu'on puisse manger un peu ensemble parce que je me suis dit ouais on va on peut manger ensemble et puis euh, catch up sur les cinq dernières années sauf que je me suis dit bah en fait on s'est dit en fait non on est con on va garder les vraies <laughs> questions pour le live et donc du coup je suis au pas au courant euh, de ouais. donc, on va commencer par la vidéo on faisait beaucoup de, on faisait beaucoup de scènes ensemble il y a cinq ans et après on s'est éloigné on a pris des chemins de vie différents et là vraiment on s'est pas vu depuis cinq ans je sais pas si c'est cinq moi, ans moi je me souviens moi je me souviens la dernière fois que ah, oui, vu ah oh, oui tu dire oui je me souviens la Alors. dernière fois que je t'ai vu et, euh, et je me souviens aussi que j'ai arrêté la scène avec toi. Enfin, je t'expliquerai. C'est à cause de moi. que as... Voilà, c'est ça. C'est pour de... ça que je suis vraiment ravie d'être sur ce live aujourd'hui parce que j'ai les comptes à régler. Pourquoi j'ai quitté la scène ça. Et euh, tac tac tac. Et donc on se voyait tous les soirs parce que quand tu fais du stand-up, t'es es avec les mêmes gens tous les soirs sur les plateaux stand-up et tout. Donc on est collègues, mais tu sais, on n'est pas non plus euh, genre tout le temps à connaître nos vies personnelles, tu vois. Mm. Et donc là, donc ça fait une heure qu'on se retient de prendre des nouvelles. Ouais. Tu sais, on est là. Et donc, ta journée, il pleut dehors <laughs> et ce qu'on a envie de te raconter maintenant, tu <laughs> vois. Euh, le chipotle, c'est tellement bon. Oui, c'est euh... ça. Là là, j'adore ce que tu m'as apporté. <laughs> donc, donc, voilà. donc on commence par la caravane. Ça par, euh, non, sinon, enfin, ouais, je sais pas. Euh, je, ouais, com non, commence par euh, la dernière fois qu'on s'était vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans le métro. On s'est croisés avec deux métros. Donc en fait, étais dans le métro qui allait euh, dans l'autre sens. Ouais. Et moi, j'allais euh, direction, je sais pas, porte de lilas, et toi, dans l'autre direction, de châtelet. Ouais. Sur la 11. Et on était côte à côte. Donc tu étais assis sur, tu ne t'en souviens pas, même. Ouais, on à était là. À, à cette distance-là. Oui, mais il y avait en, deux en... vitres, et toi, tu partais par là. Oui, oui Et, oui, oui, oui. et j'ai vraiment fait comme ça, et on s'est regardé, on a fait. <laughs> et genre, c'est parti, voilà, c'est tout. <laughs> c'est tout, vraiment, c'était. Mais j'ai trouvé ça incroyable parce que moi, je m'émerveille de ce genre de choses. Et voilà. Ah, donc c'était pas sur scène tu as quitté la scène non, et après, et la fois d'avant, pour de vrai. Je vais faire ta première partie à Rouen. Oui, c'est ça. Oui, c'est ouais, ça. Je me ça. souviens, euh, c'était euh, il y a trois ans ouais, et que tu m'as texté pour dire « Ah, j'ai vu que tu joues à Rouen. Est-ce que je peux faire ta voilà, première partie ?» Et en fait, euh, au dernier moment, j'étais annulé Et en fait, j'étais en train d'arrêter la scène, tu vois. Je faisais un peu de stand-up, mais moins. Euh, je... Ça a marché super bien sur YouTube et tout. Et en gros, je pense que je n'assumais pas que je voulais plus faire de scène pour ce, ce moment-là tu vois et en gros je, je m'étais engagée à faire ta première partie j'étais trop contente et tout puis en fait j'avais plus l'envie j'avais plus le feeling et tout et j'étais annulée last minute Ouf. et je me suis, non c'était pas c'était pas désolée. moi ça, je, il faudrait pas pas un pr... truc super important tu vois pour toi mais ça se fait pas tout, quand même tu vois entre non c'est sûr mais euh... j'avais annulé non mais ne va pas chercher les textos c'est la honte si si ah, non c'est la honte je vais voir ce que tu m'as dit en fait oh non c'est honte, j'ai sûrement menti j'ai sûrement pas dit je vais arrêter la scène oh, non. attends 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 ok merci quand même ouais ok donc tu fais c'est Swan, j'ai complètement oublié. How come you, have, you still have Because that? Because it's fucking iPhone, isn't it? Oh, wow. uh, tu me dis, ouais, est-ce que je peux, je peux prendre machin? Euh, première partie, ensuite tu dis, uh, oh, j'ai complètement oublié que je m'étais engagé auprès de toi pour ce 24 mai. Oh, yeah. Je ne peux plus sure. venir, je suis en tournage. C'était un mensonge ou pas? Non, c'était pas un mensonge, mais j'aurais pu l'organiser. <laughs> <l> <laughs> Bullshit! Oh my god! Uh, non mais c'était pas un mensonge mais j'ai sûrement décidé dans ma tête que deux trois jours avant je le ferai pas tu vois ouais. et je me suis dit je vais y arriver je vais je vais le faire je vais pas le faire et tout et c'est comme ça que arrêtes la scène personne mais étais trop que gentil les ah, mais attends font, euh, drop the mic c'était la dernière scène ou alors quand tu vas mourir avec t'es Jacques Brel mais genre personne ne fait... quand t'es soin périsé tu fais ouais je continue un peu la scène et puis oh, <rire> maintenant <laughs> tu vas plus tu vois genre mais t'étais gentil quand même c'est à dire est-ce que t'as prévu un autre, une autre première partie désolé je suis à fond dans la production de mes vidéos machin ouais. est-ce que je peux quand même mettre deux invitations pour mes amis ouais sinon je leur achète des places tell me sorry merci beaucoup Coup, bisous Swan ça ouais, c'était genre so euh, <laughs> dis, ça c'était it was the day of the performance I think the 22nd of May 2018. Putain, non c'était ah, deux jours plus tard ah oh, bon ça va en fait ça fait que trois ans que j'ai arrêté la scène ouais, ouais. <laughs> bon, j'ai l'impression que ça fait genre six ans que je ne fais rien donc euh, donc, ouais, voilà, tu vois, Mika Luna, il dit le Comment mytho... j'ai arrêté le, le stand-up à le cause mytho... de Paul Taylor <laughs> C'est bien, c'est quelqu'un qui connaît bien. Euh... Ah, le, le, le. Quoi, ton. Non, ton... mais qui genre, elle dit il faut appeler la vidéo. Comment j'ai arrêté le stand-up à cause de Paul Taylor Moi, je Oui, ta vidéo YouTube. Euh... Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, comment. pas <laughs> une vidéo YouTube, t'en ah, même pas. Que... Euh... On va te des bières. Ouais. Euh. Euh. Vous savez pas quand il fait C'est qu'il est en train De faire un truc super professional Non mais attends Je donne les coulisses du truc Parce que moi je fais des lives Parfois mais c'est genre Tout pété Avec mon vieil iPhone et tout Et lui genre Il a un super logiciel Le retour est trop beau Genre j'arrête pas de m'admirer J'étais jamais aussi belle Que sur ton retour C'est genre incroyable Merde j'ai tapé un micro Et genre il y a des bêtes de micro Et tout Et genre il clique sur vos trucs Ça met le commentaire Enfin c'est incroyable C'est pas mal En parlant de toi Kelly Garcia de Hawaii Elle aime bien tes cheveux Voilà Très bien on sait pas. Hein. Ah, si, les cœurs quand même. Ça c'est un petit indice. De quoi Les cœurs sur le que, smiley. On, on, Elle on... a juste marqué her hair. Ah, oh, ouais, ouais, ouais. ouais c'est es la merde, tu ouais. Vois, genre. J'en sais rien. <laughs> oh, shit. Donc, tu arrêté le stand-up. Ouais, j'ai arrêté le stand-up. Et pourquoi en fait Parce que c'était ça euh... ma question principale. Ouais, enfin, ça Parce que oh, tu as arrêté, mais en même temps, euh, tu étais à Montreux récemment. Enfin, récemment. J'étais à Montreux récemment et j'ai fait euh, le spectacle de Kian Kojandi 60. Ok. En gros, je fais que les trucs trop stylés où je me dis ça vaut le coup de bosser pour. Mm. J'ai arrêté le stand-up avec le recul, je, je pourrais en parler pendant des heures, mais à l'époque, objectivement, j'ai arrêté le stand-up parce que ça marchait super bien sur YouTube, mm. euh, financièrement et professionnellement. Je trouvais ça beaucoup plus épanouissant parce que je n'étais pas obligée d'être seule devant un micro à faire des vannes toutes les six secondes. Je pouvais faire des trucs plus émotionnels, des trucs plus fictionnés, explorer plein de trucs, du fast-cam, mais aussi des grosses sketches de fiction, etc. Et euh, je gagnais plus d'argent et j'étais moins fatiguée. Mm. Et en fait, je pense que je me suis vachement brûlée les ailes en stand-up parce que j'ai commencé à 21 ans. Je faisais ça tous les soirs et tout. Et tu sais ce que c'est T'as plus de vie sociale mm. T'es tous les soirs sur scène Tu bah, galères la, la vie sociale, c'est euh, les La les, vie sociale, c'est tes collègues de stand-up ouais. et tout. Et je pense que j'avais pas trop de copains. Mm. Tu vois, genre maintenant, je suis très, très amie avec euh, certes Mathurin et Harold Barbet, ouais. qui étaient mes potes à l'époque aussi, mais. Et je pense qu'en fait, c'était pas drôle sans copain Tu vois, j'avais pas de meilleurs amis, de meilleurs potes et tout. C'était un milieu, je sais pas trop comment c'est aujourd'hui, mais quand même super sexiste. Où on était genre 5% de meufs et tout. Ouais. Et il euh, y avait pas trop de solidarité entre les meufs à l'époque. Je sais bah pas, j'étais ouais. très seule, quoi. J'étais très seule et je pouvais plus les bides. Je pouvais plus courir d'une soirée à l'autre. Euh, gagner peu de sous, alors que sur YouTube, je gagnais beaucoup d'argent, tu ouais. vois. Et il y a un moment, moi, dans ma vie, où je travaillais au marché le matin. Donc je vendais des légumes de 6h à 14h. Ah ouais, quand ouais. même Après, l'après-midi, je faisais mes vidéos YouTube de 14h à 19h. Et après, de 19h à 1h du matin, je faisais les plateaux stand-up. Ah et ouais. j'ai fait ça pendant deux ans. Putain Ouais, et j'étais épuisée. Ah mais tu m'étonnes, ouais. Et euh... 6h et du coup, matin, le sam... je ne l'ai pas vue depuis trois euh, ans, je crois. <laughs> ouais, cette, moi, moi j'avais trois ans aussi, tu vois. <laughs> mais en gros, quand j'ai commencé à gagner des sous sur YouTube, et, euh... et qu'en plus, ça n'a jamais vraiment marché pour moi, le stand-up, même si... Je... Que je regarde le courage que j'avais à l'époque, j'adore. Je revois mes petites vidéos de comédie où à l'époque je me jugeais, je trouve ça génial que j'ai eu ce courage, tu vois. Mais en gros, j'étais fatiguée, quoi. Mmh. j'étais fatiguée et ça marchait sur YouTube. Et moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est raconter des histoires, faire rire les gens. Ouais. Et en fait, je souffrais bah, sur scène et j'étais heureuse sur YouTube. Ouais. YouTube me rapportait plus d'argent et je pouvais avoir enfin une vie normale. Quand je dis une vie normale, c'est pouvoir aller au resto une fois par semaine, pouvoir dormir 8 heures par nuit. Euh, pour moi, c'était pendant des années, j'ai dormi cinq heures par nuit. Je pouvais pas aller au resto, je pouvais pas aller. Moi, j'ai fait sciences po Paris, une grande école. Je pouvais pas boire un verre avec les gens. J'avais je, je, plus d'argent, enfin. Donc en fait, YouTube étais a pris le dessus sur étais ma plus vie. Heureuse, euh, ça prenait moins la tête ouais. et euh, tu avais trouvé ton moyen de communication. Euh... Qui me plaisait, qui m'épanouissait, je bah, racontais des histoires ouais. de la comédie et tout, tu vois. Ça, ça paraît, euh, ça paraît euh, logique. Et du coup, YouTube, ça, ça a commencé quand en fait ça a, à, à quel moment tu t'es. Euh... Je pense que ça a commencé il y a. J'ai dû commencer les vidéos il y a 6-7 ans et ça a commencé vraiment à marcher il y a 4 ans. 3-4 ans. Okay. Et ça a commencé quand j'ai commencé à faire une vidéo par semaine et au lieu de faire juste des fictions, je racontais au début, parce qu'au début je faisais beaucoup de fictions, mmh. au début à la fin de la vidéo je disais bonjour, je m'appelle Swan. J'ai kiffé faire cette vidéo et à la fin, je disais, abonnez-vous à la semaine prochaine. Mmh. Tu vois, en gros, quand les gens... Euh un peu comme euh, la bise bah tu parlais en ton nom, mais moi je faisais beaucoup de fiction on voyait pas ouais. qu'il y avait Swan derrière tu vois oui, ça s'appelait Swan périssé mais ça faisait des buzz un peu improbables. j'ai fait des buzz puis plus rien pendant six mois oui je me souviens on avait il y avait une vidéo en même temps euh, qui euh, international les deux, en ouais. deux vidéos entre près, la bise crois, ouais. et euh, ton truc ouais. de euh, qu'est-ce que comment les, les, étrangers les étrangers voient le français, voient le français ouais voilà. très bah, drôle tu vois ouais merci beaucoup euh, ça c'était vraiment mes premières vidéos puis après j'ai plus rien fait et je voulais pas faire le volume 2, parce que je voulais pas que jouer là-dessus tu vois et donc j'ai pris, pendant six mois je me pas fait de vidéos. je pensais pas faire une carrière sur YouTube, je faisais ça que pour le kiff. Et un jour c'est devenu une carrière quoi, et j'ai adoré explorer, faire plein de trucs dans tous les sens et tout. Et euh, tu sais, un jour je me souviens, un jour je travaillais au marché, genre du, du vendredi au lundi. Et mardi, mercredi, jeudi, j'ai fait une pub en tant qu'influenceuse où j'ai gagné autant d'argent que j'avais gagné les six mois d'avant au marché. Putain. Et je suis retournée au marché le lendemain. Ouais. Les... C'est dur, tu sais, le marché, il <laughs> fait... fait moins 10 degrés. <laughs> non Tu sais, c'est moins 10 degrés, tu sènes des mains, tu as des gerçures, tu as, la... as de la terre. C'est un vrai travail physique. Moi, j'adorais hein, ce travail. Mm. J'ai trop de reconnaissance pour mes patronnes et tout. Et je me suis dit, je, je peux plus faire ça. J'ai quitté le marché. tu vois. Mais j'ai pas fait, euh, voilà ma thune, cassez-vous. J'ai mis 2-3 mois, <laughs> mais j'ai dit, ouais. bah, en fait, ça marche trop, même si j'aime le marché, euh, même si j'aime le stand-up, il faut, faut que je pense à ma santé. tu vois. Genre, mm. <laughs> Je voulais mourir, quoi. <laughs> J'étais trop fatiguée. C'était un truc de ouf. Et donc là, tu, tu commences à faire YouTube et ça, ouais. ça fonctionne bien. Et c'est à ce moment-là ouais, effectivement, j'avais vu que les vidéos fonctionnaient bien et euh, qu'on euh, que ne te voyait plus trop sur les scènes ouvertes ouais. et des trucs comme ça. Ouais, mais, tu euh, tu z... parlais là pour le micro ou pas hein euh, Je crois, ouais. Euh, je je l'approche. Ouais, euh, tu, ah, tu, peux si hey, tu peux le tu peux, bouger. Tu peux, tu peux être là et tu peux le bouger. <laughs> moi, je suis dans peux... une caravane, mais le micro, c'est toujours. Ça ouais, alors des caravane. Des parce que c'était ça à la base, la question que vous avez posée. Je ne me rappelle plus qui l'a posée. Stéphanie Lambotte. Merci, Et Qui pas. Qui parlait de, 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 de Tu vis dans une caravane Ouais est Déjà est-ce que tu savais que tu vis dans une caravane non, euh, Oui parce la que j'ai vu vite fait ouais. J'ai regardé quelques vidéos les trucs comme ça Je me suis dit trop stylé j'ai pas trop envie de découvrir ouais, Parce trop que j'ai envie de découvrir ouais, l'Alain Parce qu'on s'est pas vu depuis 3 euh, mm. euh, euh, ans hein. je sais as pas. remarqué comme j'ai fait ça il a pas rendu le truc fait, Je suis trop contente il a fait oui donc on s'est pas vu depuis 3 ans Oh oui 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 Non mais tu sais il est british Il touche pas Nous c'est Bonjour je sais pas comment nous on, en Angleterre on réussit à, ouais. à, à, à reproduire. Rien n'a changé avec le corona en fait. <laughs> non c'est ça. Nous on était déjà. on déjà socialement distants ouais, les uns et les autres. Um... C'était déjà dégoûtant de faire la bise et tout quoi. Ouais caravan go what's ah, the oui, story. excuse-moi. Euh, alors ta 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 ta, ta. j'ai un bouleversement de vie à un an et demi dont je te parlerai avec plaisir. Euh, en gros je voulais me casser de Paris non ben, je le, je le disais je voulais me casser de Paris j'étais censé emménager avec mon ex qui, à l'époque, habitait en pleine campagne, genre la montagne et tout. Donc, on avait prévu ça, etc. Donc, il m'a larguée, et, et je devais... Ça, je me souviens de ces vidéos, ouais, enfin, les, les vidéos là-dessus, ouais. J'ai fait une vidéo qui a fait un buzz international sur le chagrin. Et euh, c'est « Comment les étrangers voient le français ?» Et je me suis fait larguer comme une merde. <laughs> c'est <c> <laughs> ma, ma carrière qui est basée là-dessus, quoi. Et, <laughs> et, euh, et en gros... Et la troisième vidéo, c'est « Pourquoi j'ai quitté le stand-up à cause de Paul Taylor <laughs> ?» C'est ça Exactement et euh, donc je voulais trop partir de Paris mais tu sais ma famille mon taf mes amis c'était à Paris mm. et donc en fait et puis moi je m'étais toujours imaginé vivre avec mon mec à la montagne donc tu sais j'étais là ouais bah je prends une maison toute seule à la montagne mais après j'étais là genre je sais pas déneiger, je sais pas mettre les plus neige <laughs> je sais pas déneiger devant la maison je sais pas skier tu vois donc j'étais à partir toute seule sans mes potes sans maison sans taf à la montagne et tout donc j'étais à Paris mais je détestais Paris tu sais je voulais partir de Paris mais j'étais en train de me reconstruire et tout et il y a eu le putain de confinement oui je suis allée chez ma meilleure amie Louane. Mm -hmm. et j'étais tous les jours dans son jardin chez ses parents. Tous les elle jours, dans le le elle jardin. habite euh, loin. Oui, elle, elle a une maison à la montagne. Ses parents, euh, tous les jours dans le jardin à prendre le soleil. Et là, je me suis reconstruite, j'ai revécu parce que j'étais très triste pendant longtemps. Et là, tu sais, j'ai fait du sport, j'ai perdu 12 kilos, je suis devenue trop bonne, j'étais musclée. J'écrivais comme ça euh, au bord de la rivière. Euh, c'était ma, ma <laughs> meilleure vie, le premier, le premier <laughs> confinement, c'était ma meilleure vie. Et euh, un jour, je dis à Louane, Ouais, je pense que je vais partir. Une semaine par mois de Paris, tu vois, à la fin du confinement, je partirais une semaine par mois. De... Tu, tu, attends, tu, tu serais sur Paris trois semaines et ouais, voilà, euh, une semaine, tu te. Ouais, à l'époque, tu... c'était révolutionnaire pour moi dans ma tête, ouais. tu vois, j'étais là, ouais, je vais partir une semaine par mois. Deux jours plus tard, je dis, je pense que je vais partir tous les mois. Genre, <laughs> tous les mois, je vais partir et tout. Et à un moment, j'étais allongée, j'écoutais Trio, tu connais ou pas Il n'a pas la rêve parce qu'il n'est pas, pas français. Trio, c'est vraiment le, le groupe de Babos. Tu sais ce que tu veux dire, Babos Non. Tu, me, tu le... me balances deux trucs ouais, en désolé, une désolé, phrase. C'est les gens qui ont des dreadlocks et qui sont pionniers ah, dans okay. la terre. Babos <laughs> Ouais. Alright. Et j'écoutais Trio, mais c'est vraiment le cliché. Genre, C'est incroyable, Trio, j'ai trop de respect pour eux et tout, mais c'était le cliché des années 90. Ils chantaient des chansons sur fumée de l'herbe et tout. Donc j'écoutais ça. C'est okay. pour te dire le cliché. Donc j'étais en mode. Euh... alors j'ai comme ça, ouais. sûrement pas épilée, comme ça, euh, dans le jardin et tout. Et je lui ai dit, Tu sais, Louane, mon grand-père avait une caravane et elle me fait comme ça. Don't do it. <laughs> ouais, et, je fais, je, et je fais si, elle me fait non, je fais si, non, si, bon c'est long je continue, si, non, si, non, bon, bref, et elle me dit, euh, et je dis je vais vivre dans la caravane, et elle me fait c'est trop Swan, c'est trop d'or dessus et tout, et c'est décidé, et donc mon grand-père avait une caravane, il ouais. est décédé en 2009, et il nous l'a léguée, elle est dans un garage depuis, une toute petite caravane de 4 mètres carrés, et depuis le, depuis le 6 juin j'habite dans la caravane. Dans, dans la caravane la la de, 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 de grand-père, putain. Voilà. Ça c'est stylé. Mais parce que j'ai l'impression aussi sur YouTube, il y a eu euh, euh, ce, ce mouvement un peu, que ce soit dans les YouTubers anglophones que je suis ouais. ou les YouTubers français, ouais. ce truc de van life, euh, de vivre dans, un, ouais. dans une voiture un peu en ouais, mode nomade et tout ça. Ouais. Et bah euh, moi je trouve ça stylé. Ouais. Parce que moi, je suis jaloux. Moi j'ai jamais regardé que... de van lifer jusqu'à il y a un mois. Ouais. Et j'avais jamais rêvé de... J'ai toujours aimé le camping, le bricolage, les petites maisons, tu vois. Mais tu sais, je ne regardais pas des van vanlifers, je ne regardais pas les trucs de tiny house. J'aime connaissair... que ça s'appelle des van vanlifers. Ah ouais, non, mais y il y a peut-être que moi qui les avais comme ça, ça, ça je ne sais pas. pas. Des ouais. vanlifers ouais, c'est clair. <laughs> Vas-y, mais quel connard, celui-là. Oh. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que j'habite dans une caravane. Et après, il y a d'autres raisons que je t'expliquerai, te, je mais en gros, je parcours la France pour des raisons professionnelles avec la caravane, mais je te raconterai. Trop bien, ouais. c'est cool. Ouais. Euh... Les Fanny en fait. Lambot, elle est de retour. Euh, elle a dit. Je sais pas parce que parce que elle a des bonnes questions, des bons trucs. Apparemment parce que des gens ils commentent sur ce qu'elle vient de dire. Pourquoi tu mets pas par exemple tellement d'accord, Swan est une femme inspirante. Je comprends pas pourquoi tu mets pas ça. Parce que euh, je m'en bats les couilles. Ouais. <rire> <rire> Moi je vais mettre. Attends les, Brit les Brits, les se serrent la main ou font un hug assez fake. Non c'est pas fake, Fanny. C'est ça où toi tu penses que les hugs sont fake. C'est pas du tout. Euh, c'est le, le, le truc. fait un hug bizarre quand je suis arrivé quand même. Ouais mais c'est parce que c'est Covid on qu on sait remarque. pas etc. Euh, du coup en général tu préfères qu'ils se disent bonjour de loin c'est plus sincère. Non les hugs euh, Fanny c'est juste que peut-être tu t'es pas assez S'est fait assez de bons copains avec des, avec des, des Anglais ou des, des Anglaises. Mais Anglais. uh, uh, Hug, uh, it's, it's legit. Uh, alors, voilà, uh, Axel qui répond à Ayouni. Tellement d'accord, Swan est une femme inspirante. Merci Ayouni. Et maintenant, en attendant que tu choisisses le prochain commentaire, je vais chanter une chanson de trio. C'est l'hymne de nos campagnes. Tu connais pas ça Non, mais Raquel de Rigal, rigères, elle le connaît. C'est de nos montagnes, de la vie, man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Ouais. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. C'est trop la honte que je chante ça et que je vive dans une caravane. Je suis pas du tout, c'est terrible. Et, et la chanson d'après que tu écoutes, c'est Bob Marley, j'imagine. C'est ouais, le, le Bob Marley local, genre. Est ouais, c'est le... le, le, le... Faut que je te vas écouter ça, c'est pas possible que tu Il est blanc. Ça, ça. Ils sont tous blancs, bien sûr. Ah, ils sont tous blancs. Ah, ah c'est un groupe. Bien sûr, bien sûr. Est-ce est qu'ils sont trois Oui. 3 okay. euh, et parfois 4, le Miron, C'est pour ça que je me suis dit, et... euh, il s'appelle Trio, peut-être. Ah oui J'y avais <laughs> jamais pensé, Putain, euh, Tiens, regarde, euh, Jenny Richards, euh, euh, qui est anglaise. Euh, super cheap, c'est super cheap, ouais, habiter dans une caravane. Je l'ai fait moi-même il y a 25 ans, euh, quand j'ai travaillé ici. Quand j'ai travaillé ici, mais, euh, mais ma maison était 80 miles de l'autre côté de Londres. Much cheaper than Bed and Breakfast. Euh, oui, oui c'est vrai que je dépense zéro argent. Euh, ça, bizarre. ça devrait être cool. Et t'as refait l'intérieur ou pas ou Non, euh... c'était impeccable. Donc il y a quoi dans ce... Il ce, 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 ça... y a deux banquettes, une table que je veux transformer en lit. Il y a des plaques à de, de cuisson. Il ouais. y a un lavabo. Il y a pas de toilette, il y a pas de douche. Il y a Donc un... Placard. Tu, fais, tu te laves aux gants. Tu te laves aux gants. Ouais. Trop bien. Ou dans les rivières. <laughs> c'est vrai. <laughs> en écoutant très <trio>. haut. <laughs> à fond. Quand j'ai de la batterie. Et j'ai des panneaux solaires, j'ai l'électricité. Ça c'est cool. moi qui les installe. Ouais, Panneau et, et solaire, et plus... gaz et, euh, et l'eau, j'ai réparé. Mais c est, c est... il y avait déjà les installations. Attends, l'eau qui arrive dans le. <laughs> mais ciel, il, faut tu, il faut que tu le branches quelque et part. Il y a un bidon ouais, okay. d'eau potable. Avec une pompe électrique Trop bien. qui relaie mes panneaux solaires. Okay. J'avais vu euh, tout à l'heure euh, un, un, un commentaire. Ah, oh, il y a des, les... Luan, c'est ma meilleure amie. pardon. Oh, hello Luan! Moi non plus, je ne connais pas euh, Trio, je suis hippie, mais euh, j'ai n'ai pas les rêves. C'est Loan, Loan avec qui j'ai passé le confinement et qui était là, don't do it. Oui, uh, don't do the caravan. Yes. Et maintenant, euh, elle, elle, elle en pense quoi Tu penses quoi Loan maintenant qu'elle Elle, elle est vit dans avec la moi un mois sur deux, elle est très contente, mais ah, elle bah trouve voilà. ça très, un, très inconfortable. Et elle trouve que ça sent un peu le moisi, mais ça, il ne faut pas le dire parce que ça ne se voit pas sur les stories. C'est toi qui sens le moisi <laughs> ou c'est <laughs> la caravane <laughs> Mais du coup, je pensais, c'est forcément infiltré quelque part. Tu vois. <laughs> mais du coup, enfin bah, euh... et il y avait quelqu'un qui demandait euh, des, des tips euh, écolo, parce que comme tu es à fond dans ce truc d'écologie ouais, ouais, sur la deuxième chaîne que, ouais, que tu as créée, ouais. what are some best practices? Okay, alors... Parce que moi, je te raconte juste ouais, un ouais, truc vite fait qui me fait chier euh, enfin, en région parisienne ou à ouais. Paris, c'est le côté euh, recyclage. Oh. Que personne ne respecte les règles de, de, ouais, des poubelles jaunes. Ouais. Les poubelles jaunes ne sont pas assez grandes pour mettre tout ce que tu as, parce qu'en ouais, vrai, vrai, dans une semaine, euh, moi, euh, euh, je, je, je dirais que j'ai ça en. Oh. en, en, en en non recyclable en, en non recyclable. Et en recyclable, j'ai ça, vrai. tu vois. Ouais, Mais ça. la poubelle non recyclable, elle fait trois fois la taille. Donc je ne comprends pas, en fait. Ouais, et C'est frustrant. Ouais, Les voisins, ils remplissent le truc au bout d'une seconde. Ouais, ils, ils mettent des, 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 ils mettent des, genre des, des trucs à l'intérieur des, des sacs plastiques. Des plastique. poussins, ou des fourmilières Des, trouvé, des plantes J'ai trouv trouvé un parapluie dans la poubelle ouais, l'autre jour. Il ouais. Donc je l'ai <laughs> pris et puis je disais, cool, un parapluie plus. Le respect mort. Donc ça, c'était juste mon rant sur essayer d'être. Un peu responsable ouais. et pas pouvoir le faire. Bon, c'est très compliqué le recyclage. Mon conseil, c'est de peut-être parler au gardien ou à la gardienne. On n'en a pas. Ok, ouais. J'ai vraiment pas de conseil sur le recyclage, à part, et c'est vraiment pas positif, mais c'est pas ouf le recyclage. Essaye juste de réduire tes cartons. Mm. Voilà, c'est mon conseil. Mais mon conseil plus général, c'est genre, euh, on, on, we're fucked. <laughs> genre, jeter une C'est terrible ce qui arrive. Quand tu creuses un peu, et j'en parle pas trop dans mes vidéos, ça. Mais du coup, concentrez-vous sur quelque chose qui vous apporte de la joie et de la satisfaction. Donc, moi par exemple, je fais plein de trucs sur ma, sur ma chaîne. Je vais fabriquer, genre moi-même, mes produits de beauté, ça me fait chier. Je vais faire de la couture, je déteste. Par contre, j'adore la construction, tu vois. Mmh. Je construis des cabanes, des fours à pizza, des énormes trucs et tout. Et ça, ça me plaît beaucoup, tu ouais, vois. C'est ouais. Après, moi, j'expérimente tout et j'aime beaucoup faire des vidéos sur la bouffe aussi. Manger végétarien, mmh. euh, qu'est-ce qui est plus écolo, local, est-ce que manger, manger juste local, man manger vegan, ça, ça m'intéresse, manger bio, qu est qui, quel est le réel impact et tout ça, ça ouais. m'intéresse beaucoup. Donc, moi, mon conseil, c'est choisissez un truc qui vous saoule pas. Par exemple, si vous aimez boire de l'eau à la gourde, et achetez-vous une jolie gourde et soyez fiers et félicitez-vous de boire de l'eau mmh. à la gourde. Si, euh, si vous aimez manger végétarien et euh, que ça ne vous dérange pas quand il n'y a pas de la viande, bah, essayez de manger plus deux ou trois fois végétarien par semaine que euh, tous les jours. Et en gros félicitez-vous et allez à fond dans le positif parce que plus ça va être de la privation et de l'autopunition. La, de, de ouais. Ah non je ne vais pas commander euh, Deliveroo. Euh, ah non je, je vais pas prendre un taxi. Euh, euh, pff, les les poubelles j'en ai marre et tout. Bah plus vous êtes, vous allez être dans la punition comme quand tu fais un régime alimentaire en fait et que mmh. tu es là je suis une merde j'ai mangé ouais. du chocolat. Euh, et plus euh, ça va vous déprimer Et vous décourager mmh. Donc commencez par un petit truc qui est fun Si c'est insoutenable pour vous de jamais manger de viande euh, Ou si vous détestez ne pas manger de viande Bah ça sert à rien d'être végétarien tu vois oui. Si par exemple vous n'avez pas chose, spécialement ouais. besoin de prendre l'avion Parce que vous aimez voyager en France Vous adorez rouler en voiture euh, Vous aimez le train bah... Prenez le train, euh, faites du covoiturage, tu vois. Genre, donc, en gros, moi, mon conseil, c'est faites-vous des choses qui vous font kiffer. Et en fait, je pense vraiment que le pouvoir de ça, la satisfaction personnelle de savoir faire des choses, de vous y tenir, d'apprendre à fabriquer et tout, va vous amener vers penser à autre chose. Penser au zéro déchet, penser à manger mmh. moins de viande, penser à moins prendre l'avion, euh, rénover des maisons, faire les panneaux solaires. Après, ça part dans les délires. Oui. C'est illimité, hein, ouais. euh, l'écologie. Bah, y a, y a Mais jamais... commencez par le positif, parce ouais. que moi, j'ai fait 21 jours végane. Sans oeufs, sans produits laitiers et tout. Et j'ai cru mourir. Et c'est comme si je prenais. <laughs> c'est comme si je faisais France... un régime pour maigrir ouais. Tu sais qu'après, tu n'as tu, plus de vie sociale. Ouais, ouais. Tu ne bah, peux pour pas manger. Ouais, ouais. <laughs> j'ai euh... un pote en Angleterre qui est vegan. Et, euh... et pour lui, c'est assez facile en Angleterre. Comparé à ici, j'ai l'impression qu'en France. Euh... Je pense qu'il a fait progressivement. Non, non. Ah, euh, ouais. euh, Peut-être. Après, je me rappelle plus trop. Ah ouais. euh, parce que je suis plus son pote. Mais euh... non, je rigole. <laughs> juste... ouais. et, et, lui, lui, il est hyper chiant parce que. On veut manger vegan quand on est ensemble, ouais. quand on est les quatre potes ouais. ensemble et on se dit, ouais. bah viens, on mange vegan. Il dit, non, non, changez pas vos ah, plans à mignon. cause de moi. Ouais. Je dis, non, non, mais ouais, on ouais, veut. Ça, parce ouais, que... aimé qu'il t'inspire. Et parfois, sinon... parfois, t'as pas la force parce que tu sais qu'il va falloir que ce soit toi qui cuisine. Je comprends son ouais. point de vue aussi. Et attends, il y a plein de gens qui disent, attends, je veux juste répondre à cette question. Ouais, ouais, on je... n'est pas non plus obligé d'être végétarien, juste réduire sa consommation de viande. Euh, alors, personne n'est obligé de rien déjà, première chose. Et oui, <laughs> je oui, la si tu... parce que je suis en train. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, t'inquiète. Vous êtes obligé de rien, mais euh, si vous réduisez votre consommation de viande, c'est un impact considérable sur l'écologie. Vraiment, c'est le truc que je peux recommander à tout le monde. Si vous avez envie de faire un digeste, que vous sentez capable, c'est réduire la viande. Les gens qui sont zéro déchet, qui font le vrac, qui ne prennent pas la voiture. Euh euh, etc. genre ça n'aura jamais autant d'impact que réduire sa, sa consommation de viande mm. donc c'est mon premier conseil si vous, voulez, si vous êtes prêts à faire ce sacrifice entre guillemets et, okay. et, 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 et donc parce que j'avais euh. vu un truc euh, ah je l'ai pas regardé mais il y avait une vidéo qui est sortie dans mes recommandés euh, YouTube c'était une vidéo anglaise de une chaîne genre legit et je me rappelle plus le titre mais ouais. c'était un, un truc dans le, que c'était genre un mythe que la viande euh, euh, que manger moins de viande, ça, ça sauvera pas la planète. Après, j'ai pas regardé la vidéo, je sais Alors, pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs Non, de ça m'étonne pas. Alors, donc, il y a déjà, parce que j'ai passé euh, vraiment des mois à enquêter sur le véganisme, il y a beaucoup de lobbies des deux côtés. Donc, il y a des véganes fous qui pensent que la vie animale vaut plus que la vie humaine. Mmh. Et il y a beaucoup de lobbies de la viande et des produits laitiers qui vont tout faire, qui vont payer des millions pour faire des études pour prouver que tu as besoin de viande pour survivre. Ouais. Par contre, ce qui est vrai c'est que si tout le monde devient végan mm. ça peut être une catastrophe écologique et humaine sauf que personne ne deviendra d'un coup tout le monde végan les végans ne vont pas avoir un coup d'état donc leurs <laughs> arguments sont vrais ne vont pas faire un coup d'état donc leurs arguments sont vrais si tout le monde devient végan c'est une catastrophe écologique mais c'est pas du tout ce que disent les végans ouais. les végans ils disent venez ah, réduire ouais. la viande euh, ils sont Moins de 1% en France. Et du coup, c'est un peu de mauvaise foi de dire à chaque fois genre, si tout le monde devient vegan, on va tous mourir. <laughs> Personne va devenir, tout le monde va, enfin personne va devenir euh, vegan comme ça du jour au lendemain. Ouais. Donc, mais ces gens-là ont raison. Et quand tu pousses les raisonnements loin, c'est intéressant de dire, bon. bah voilà. Et puis il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils ont besoin des protéines qu'il y a dans la viande, les, dans les pays mmh, pauvres, mmh. ils n'ont pas le temps de se mélanger du quinoa avec de la lentille pour avoir le bon apport de légumineuses, tu vois, genre vraiment. <laughs> Donc c'est vrai quand tu creuses, ce qui est trop intéressant avec cette chaîne, euh, cette nouvelle chaîne, c'est qu'il y a toujours de la nuance. C'est quoi tout le ce que je raconte chaîne, du coup vert, V-E-R-T comme green. C bon, je sais comment écrire vert, merci beaucoup. <laughs> Je commence pas parce qu'après je sais que tu vas sortir le dossier sur moi. Ouais. Vers vers VRT -E chez vous. Comme euh, uh, go follow it. Yeah, go go, uh, go 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 follow it. I'll put it up on the screen. There you go. Vers chez place. vous avec <laughs> le, le premier thumbnail en qui est drôle. En train drôle. de manger. Des, en train de manger des des brocolis. Des brocolis. Voilà. Ver, I wasn't even subscribed. What a dickhead. Subscribed. Done. Alors que regarde, j'avais un beau décolleté sur la deuxième vidéo. Tu vois, ils font pas d'efforts. On fait tout pour YouTube, mais ils font pas d'efforts voilà mais quand est-ce que je pose je des questions sur toi alors ah tu veux me poser des questions sur moi je sais pas comme tu veux ouais vas-y c'est comme tu veux on fera dans train ouais si tu veux attends on fait la promo ouais ben oui il y a une partie intime une partie intime en gros tous mes lives ils ont deux parties la première heure elle est gratuite sur YouTube la deuxième heure elle est exclusivement sur patreon.com slash paul taylor je vais un truc sexuel hein ouais en gros tu sais on m'a dit c'est quoi Patreon et à chaque on a trouvé le truc c'est It's the only fans. mais pas sexuel ouais, only fans mais bon on reste habillé quoi ouais. aucun intérêt quoi. super et, merci beaucoup et donc euh, sa deuxième partie euh, dans, dans qui commencera dans une demi-heure euh, whatever it doesn't matter c'est la deuxième partie c'est beaucoup plus intime il y a beaucoup moins de gens et en gros euh, patreon c'est une plateforme où euh, tu peux m'acheter des bières virtuelles parce que je bois des bières en vrai mais euh, des bières virtuelles sont les bienvenues et il euh, y a une demi-pinte une pinte ou trois pintes et pour les trois euh, vous avez accès à la deuxième partie non seulement de ce live là mais tous les anciens lives euh, ouais de tous les anciens guests et tous les futurs guests aussi. Et genre Patreon, en gros, moi je, je me suis jamais impliqué parce ouais. que ça me demande trop de travail. Non, parce que tu gros, déjà y a trop d'argent. Il y, euh... y a du contenu, <laughs> j'ai besoin d'une. Euh, non, mais il y, y a du contenu euh, que pour eux, c'est beaucoup plus intime, tu peux montrer tes moments un peu de down et tout. Ouais, en, en fait, fait c'est mais... tu donnes, euh, les gens, ils te ils, ils, pour, ils... pour que tu fasses ce que tu veux, en fait. Ouais, c'est une façon euh, euh, qui soutiennent la chaîne YouTube et ensuite tu donnes des vidéos exclusives que personne d'autre a accès Incroyable donc ouais, euh, ça te permet ça, moi ça me permet de faire les, les premières parties gratuites pour tout le monde et après la deuxième partie comme il y a dix fois moins de gens ouais, euh, et ben du coup euh, cool, ils posent des questions un peu plus intimes et comme c'est pas diffusé devant des centaines de milliers de personnes c'est ouais. euh, <laughs> sûr qu'ils sont des centaines de milliers parce que moi je vois non euh... ils sont 500 vraiment ouais, voilà. <laughs> enfin, j'ai pas vu centaines de milliers juste pour info quoi. oh Jesus Christ um, qu'est-ce que j'avais une question aussi ouais. uh, parce que tu parlais de 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 Paul se plaint beaucoup sur Patreon en effet <laughs> Euh, je me plains de quoi Je me plains <laughs> de, de la, la vie. vie. De la oh vie les connards général... de la première partie qui payent pas et tout. <rire> <rire> Ça se fait pas du Ouais, coup. je me plains. Euh, euh, Regarde, Loan, elle dit. Loan, Paul, tu es le dernier spectacle que j'ai vu à la fin du monde le 9 mars 2020 à Mary -Belle. Oh shit ouais. Hey, mais, j avais, j avais, j avais, mais moi je savais pas. pas que t'étais là non C'est là qu'on a, qu a passé le confinement. Pas à Marybelle, mais dans la vallée du saint oh, C'était un de mes moi spectacles plus, préférés, Marybelle. Ouais. J'ai euh, rencontré un, le, 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 un gars qui, 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 qui tient un bar là-bas. Euh, C'est un, un britannique. le connaître. Ouais, avec sa sœur ouais. Et ils ont un bar. Et on a passé euh, genre, trois nuits avec mon régisseur à se bourrer la gueule ah, au, au truc vert là. C'est quoi l'alcool vert euh, La chartreuse. Non, la, euh, qui Le, Genepi, le Oui, c'est ça, qui ouais. pousse que à plus ouais, de 2000 ou un truc comme ça. <laughs> la meuf qui connaît beaucoup trop. Je sais pas, c'est beaucoup euh, trop de temps euh, C'est ça. Moi, bah, mon ouais. dernier, c'était trois jours et plus Luan, tard. Et c'est ma meilleure amie, mais elle a 200 000 abonnés sur YouTube. Hein. C'est vrai Elle est connue, ouais. Brrr elle est incroyable. L la taverne. J'aime ah, ah, bien regarde. le jeu de mots. Loane Man Show. Ouais, Putain, et tu sais, Louane, elle a jamais vraiment... Elle a fait du stand-up vite fait, mais c'est trop de travail pour elle. Ça l'a saoulée. Et certes, il l'appelle Louane Pas de Show. <laughs> ah, certes, il a fait le live il y a un mois et demi, et on s'est bien bourré la gueule. <fış> Genepi, exactly. Lauren Lanham. Genepi, la taverne. <laughs> euh, la taverne, c'est le nom du bar, bon. parce qu'elle a grandi à Mary-Belle Luan. Ouais, je sais... bah, si vrai, ouais, pas bah, Mais si c'est vrai, crois là en fait. Euh, Juste crois là, genre. Ouais, mais je me souviens, je pensais qu'il y avait un nom. Bref, oui, ils étaient hyper sympas. Et Marybel, trois jours plus tard, c'était mon dernier spectacle. C'était au Luxembourg. Je savais même pas que là, Luan. Ouais. T'allais ouais, dire un truc, mais je m'en rappelle plus. Moi Ou c'était peut-être moi Je sais pas. Moi, j'allais te poser des questions intimes. Bah, attends, in. mais du coup... Attends. Tu es marié et tu as un enfant. Ouais. En <laughs> en as, depuis qu'on s'est déroulé. On a plusieurs Enfant Ouais. Non, un. Un, okay. euh, un euh, oublie. <laughs> Il a fait non. Un. Non. Un. Seul. Uh, one and done. One and only. One and done, as the, as the English would attends, say. C'est trop bien. Et moi, j'ai trop admiré euh, que tu, euh, tu continues à faire des... Des vlogs pendant cette période euh, Un peu moins. Ouais. Parce que là. Moi, je fait... crois que j'avais vu ce juste avant. On va aller accoucher ou quoi Je, j'avais trop admiré ça. Non ouais, c'était. J'étais. J'allais jouer à l'Olympia pour une soirée. Ouais. On était plusieurs. Et ouais. c'était là où j'avais dit sur YouTube. Ouais, on va voir un enfant et tout ça. Ouais. Mais depuis, il euh, bah, y a eu le confinement déjà, donc il ouais. y a rien trop à raconter. Euh. Ouais. Mais j'avais fait un vlog ou deux avec elle dedans, avec la petite ouais, dedans qui, qui me grimpait dessus et tout ça, ouais, trop... pour dire ouais en confinement avec un gamin de 9 ans, euh, 9 ans. Oui, euh, pourquoi pas, de neuf <laughs> mois à l'époque. Euh, Nevermind Studio, comment va la petite parisienne bah, Elle va comme une petite parisienne. Elle c est, est chiante et elle est râleuse. Ah, c'est toi. Ma petite, ma petite parisienne. Bah, ah, Peut-être que... Ouais, je... <laughs> c'est toi, enfin, la petite moi, parisienne. Moi, j'étais émerveillée, je t'ai ramenée à mon enfance quand on m'appelait la petite parisienne, mais non. Maintenant, je suis lâche Lynn euh, Linda Wonder Woman Louise, qui est le nom de ma fille, ouais. euh, n'est pas prête d'avoir une petite sœur. Non, elle a déjà un frère chat, qui est chiant, qui nous réveille euh, tous les matins à 5h du matin avec un miaulement de l'enfer. C'est un chat qui est sourd, qui il a 15 maou. ans. Ouais, mais pire. Ah ouais. <laughs> genre. Oh, oh oh ça c'était vraiment le ah, bruit euh, à 4h du matin, donc elle, elle dort bien. Euh, mais lui non. Ouais, c'est Donc euh, c'est euh, euh, la belle vie, quoi. Euh... Putain, donc t'es papa quoi. Pff, Ouais, on part ça comme vite, ça hein. en caravane. Puis ouais, euh, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je suis jaloux parce que c'est toujours un truc que Un jour je me suis dit, ah, peut-être un la jour caravane, euh, ouais. je ferai le, le, la côte est ou la côte ouest des États-Unis ah, euh, en quelque chose. Et puis maintenant, bah, peut-être ça arrivera dans 18 ans quand euh, la petite ouais. elle est assez grande pour faire ça avec elle. Ah, ça. Mais là, on n'arrive même pas à rentrer dans Paris tellement elle est chiante. C'est euh, bah, juste elle est chiante en fait. Elle est... Ah, parce que oui, maintenant tu où Du coup, tu peux pas le dire. Juste en banlieue sud. Dans une maison. Non, non, ah dans oui. un appartement comme, comme. On habite comme dans Paris, sauf qu'il n'y a aucun avantage. Je vais enlever ma veste. Mais comment as, tu l'as pas enlevée je... En plus, d'habitude. Du coup, je veste ma robe, désolée, mais tout le monde va <laughs> euh, Non, mais. Euh, Moi, je suis en train de transpirer de en chaleur. d'habitude, j'ai plutôt chaud parce que je vis dans une caravane, il fait en permanence entre, entre 4 et 12 degrés, quoi. Donc. Euh, normalement, j'ai plus une grande résistance. Voilà. Ouais. Tu vois, euh, qu'est-ce que j'allais dire euh, euh, oui on n'arrive pas à rentrer dans Paris c'est tout c'est chiant donc euh, mais ça va tu vois c'est euh, je crois que ça va un jour on, ouais. ça va être ah oh, ouais on voit le côté positif parce que là on a, on a un peu du mal à, à avoir le côté positif pour l'instant mais c'est juste parce que c'est elle est petite quoi le côté positif d'avoir un enfant ouais ah, c'est dur quand même cette phrase. <laughs> ouais mais moi je suis euh, honnête tu, sais, tu vois tu parce qu'il y a je... plein de gens qui sont là, ouais mais c'est génial hein. soit c'est des gens vraiment heureux ou soit c'est des bullshitters ouais, et je crois qu'à 80% c'est des bullshitters et... Et les 20%, c'est juste des gens qui sont heureux parce qu'ils ont un soutien de la famille. Ah, euh, vous n'avez pas vos familles proches bah, Ma femme, elle a zéro famille. Ils sont tous morts. Okay. Et, euh... okay. et moi, ils ne sont tous pas là, en fait. Ils sont tous en Angleterre ah, euh, ou au Portugal. Et euh, du coup, on n'a on a, on a pas eu vraiment d'aide. Tu sais, es parce ça. que je crois que les gens qui sont heureux dans la parentalité, c'est genre, ah, c'est le week-end. Tiens, va chez mamie ouais. et moi, je vais m'amuser euh, comme dans le temps. Et moi, je ne pense pas que j'aurai des enfants, mais si j'ai des enfants, je pense que je les aurai en communauté de hippie, genre. Tu sais, on, on les élève, on les élèvera tous l'enfant tu vois ouais bah, je crois qu'on est, qu souvent... est fait pour ça en fait ouais, les non, humains en vrai. vrai non mais c'est vrai en plus ça fait pas longtemps qu'il y a la famille nucléaire papa maman et tout ouais et euh... bah il y a... ouais c'est dans et les moi, tribus. moi j'ai souvent dit aussi euh, peut-être que j'aurai un enfant un jour mais ce sera pas mon projet ce <laughs> sera un projet de bah t'avais fait tout un sketch à Montreux c'était euh... ouais, c'était si ouais. vraiment drôle ah merci le, le, le... Non, mais mais je crois que c'est un non non pour en revenir à ce à ce moment, donc je faisais pas du tout de stand-up, et on m'appelle pour Montreux, je dis ah, « D'accord, tu vois, genre, allez, ok !» Et en fait, j'ai bossé euh, deux semaines, et j'étais avec tous ceux qui avaient leur sketch depuis, genre, leur euh, passage depuis euh, un mois, enfin, de, depuis deux ans, des gens qui faisaient des trucs trop rodés et tout, et moi, ouais je bossé ouais. bossé à l'arrache, et je suis arrivée à Montreux, tu sais, j'étais comme ça, je j'étais liquéfiée tous les meilleurs humoristes du monde et tout. moi j'étais là et ça fait cinq ans que je suis pas remontée <laughs> enfin, tu sais genre j'étais mais je suis trop contente de m'être battue pour faire ce mais ça ce le, truc. le truc de je vais pas le garder ouais. j'avais je vais pas le garder ça a toujours été mon ouverture depuis ouais depuis oui, cette de... vanne là je l'avais depuis longtemps c'est plus genre, elle, c est, était, elle est tellement drôle tu sais parce que ouais. c'est enfin une... même quand je l'ai vue je ouais. l'ai je l'ai je l'ai que je suis enceinte en fait ouais et puis, puis en... j'ai grossi parce que on attend un enfant et après je dis je vais pas le garder Is non, you... je plaisante. J'ai pas de copains Je fais plus ce que je dis. Voilà. <laughs> mais c'est très drôle. C'est gentil. Alors les petites questions des abonnés. Yeah, let's go. what, what questions do you have? Come on. Alors attends, j'ai une question car je découvre la chaîne de Paul. Vas-y, c'est un mes abonnés, vas-y clique. Uh, mais j'ai cru qu'il venait d'Angleterre. That's not Roro. -ro. That's not Roro. -ro. Hello, that's not Roro. J'ai une question car je découvre uh, la chaîne de Paul, mais j'ai cru qu'il venait d'Angleterre. C'est bien ça? Yes. That's not Roro. -ro. I'm English. Uh. Mais il a aucun accent et ça a toujours été super impressionnant. Et il a commencé le stand-up bien après moi. Sauf qu'au bout de trois mois, il, était genre, il avait un show incroyable à la télé. J'exagère. Non Au bout d'un an Non, euh, trois quand même. Moi, trois ans J'ai commencé le stand-up en, 2013, ah en ouais. janvier 2013. Et, euh, et What the Fuck, c'est venu en 2016, mon euh. premier spectacle en et donc 2016. Vous connaissez peut-être Paul de What the Fuck France. Il a fait un programme incroyable sur Canal. Et après, c'est devenu What's Up Friends. Ouais. Et, euh, et en gros, euh, voilà, ça t'a catapulté euh, et ça a lancé ta carrière. Et après, et surtout après, t'as fait un super spectacle de stand-up. Euh, il y avait plein de monde et tout, quoi. Oui, c'est voilà, plus ou moins a, ça. Voilà, ouais. que tu as des années Il n'y a, de ma, tout. Y a pas sympa. de souci. Et donc, en gros, Paul, on, on dirait euh, qu'il est français parce qu'il parle trop bien, mais pas du tout français. C'est ça. C'est pour ça qu'il connaît pas des mots comme, il uh, connaît pas les mots comme babos. That's not Roro. Right, right. Ça, c'est ma, ma, ma deuxième chaîne où je fais les lives, mais j'ai une chaîne principale où il y a mon spectacle dessus. Euh, et les premières. Enfin, il y, y a tout un sketch qui dure 10 minutes sur mon accent, pourquoi j'ai pas d'accent. Il a fait plus d'un million de vues, ton spectacle, non euh, Ouais, un, un, deux, un, trois. Euh, un 3, million trois, ouais je ah, crois, je sais pas, j'ai pas regardé euh, depuis en Tu fait, euh... un spectacle d'une euh, heure comme ça qui fait un, un million trois et tout euh... Et t'as toujours fait de la comédie en anglais et en français euh, en... Ouais c'était, en fait c'est parce que c'était un peu euh, le, tu vois le, le, le... Je... en fait j'avais moi, dit... tout... moi je pense tout le temps, à... je suis désolée je fais vraiment la vieille boumeuse Parce que c'est des vannes d'il y a trop longtemps Mais je pense tout le temps à toi quand les gens ils, ils mettent des haches là où il y en a pas en anglais <laughs> ouais, j'ai ouais. fait un sketch sur le fait que les Français, quand vous parlez anglais, vous vous ajoutez des H. That's not Ro Ro. En gros, tu vois ce spectacle, tu verras euh, mon histoire et qui je suis. Et, euh, et, euh, et si tu veux, euh, ouais. tu peux m'écrire après pour dire Ah, c'est cool, ou c'était de la merde, je t'aime pas. Et euh, tu sais que je suis deg parce que je suis jamais venu voir ton spectacle en entier. Et tu sais, c'est toujours les potes, tu dis Je vais venir les voir, ouais, je vais y aller. Oui, vais y y aller. Et maintenant, Bah il existe plus. Il existe plus. Et. Et je me dis que j'ai été vraiment une merde. Tous, tous ces gens, je me disais, bah, j'irai les voir, j'irai les voir, mais la vie, prenait le dessus, tu vois. Enfin voilà, donc je viendrai te voir quand. Mais tu en as des dates programmées euh, mais... Ouais, mais c'est le deuxième spectacle. Et là, la ouais. prochaine date que j'ai, c'est à Caen, ouais. euh, le 25 et 26 euh, juin. Donc euh, je vais faire un truc euh, à communiquer avec toutes les nouvelles dates ouais. euh, des, des troisième report, des douzième report, des trucs comme ça. C'est donc, voilà. Raphaël euh, Jafari says euh, Swan meilleur journaliste merci c'est vrai pas... que j'ai vraiment fait et moi Taylor que... a été propulsé <laughs> par ta euh, vidéo en plus YouTube, avec le, le, le ton euh, le... mais c'est juste que en général les gens qui regardent euh, les lives ils me connaissent ils, ouais, ils ont ça. déjà entendu ça 50 fois donc c'est pour ça que j'ai je, ouais. je, du mal à, à raconter ma, mes propres conneries euh, ouais, genre oui euh, salut euh... Euh, on me demande si ma communauté YouTube vient majoritairement du stand-up ou l'inverse l'inverse la plupart des gens qui me suivent, donc moi, il y a plus de 600 000 personnes qui me suivent sur YouTube. All right, Ne right. m'ont jamais vu euh, sur scène. Mais c'est ça, en fait, le, 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 le truc qui est assez impressionnant quand tu commences dans le stand-up et euh, nous, on a tous les deux, euh, on s'est rencontrés dans des, dans des mini, dans des caves, dans des, dans dans des, des greniers. On a joué devant cinq personnes et personne rigole. Et tu dis, ce même sketch, ce même truc, je l'enregistre en vidéo. Et même si j'ai aucun follower ouais. sur aucun réseau, ça, ça, fait... ça va faire 1000 euh, vues. Voilà, et il n'y a jamais 1000 personnes dans une salle, sauf quand tu es super connu. Tu vois, ouais, c'est ça. Euh... Nous, Mais on jouait devant 60 personnes et tout. Et même si on jouait tous les soirs devant 60 personnes, 4 euh, fois de suite, bah, ça n'arrive jamais à la, à la visibilité d'une vidéo. Ouais. Bah, c'est ça, le, le, mon spectacle entier qui a été vu euh, 1,5 million 5, euh, sur incroyable YouTube. Incroyable pour du stand-up. 1,5 million, faut... je suis nul en maths, parce que la salle où j'ai joué, elle faisait 280 Place, ouais, la, la salle où on a enregistré. Où t'as fait longtemps le spectacle et tout euh, Je l'ai fait pendant trois mois, ouais. Mais euh, du coup, tiens, on va faire les maths juste pour rigoler. Attends, un million cinq. One million, five hundred, one million five, Je peux pas compter en français. Euh... One million divided by 280. Oh, for fuck's sake. One five projets pour le futur. Euh, bah, si je aux bord, tu fais ton... euh, Ça voudrait dire que je devrais jouer dans cette salle 5 357 fois pour, pour, pour avoir les, le même, les mêmes yeux là-dessus. donc euh, Coup dur. Ouais. Go. What was the question Non, vas-y, laisse tomber. Non, non. C'était quoi C'était le projet euh... pour le futur. Caldash Ouais, pff, ça, me, ça me fout la presse, ça. Non, mais en ça mais fout la presse <laughs> En gros, moi, je, donc avec la caravane, c'est pour ça que c'est pratique, c'est que je me déplace dans toute la France et je vais chez les abonnés pour mettre en place euh, des initiatives écologiques. Donc, eux, ils te contactent comment Il y a un formulaire. Donc okay. il y a un formulaire. Il y a un formulaire. Parce qu'en gros, c'est un formulaire qui demande s'ils sont forts sur le projet, s'ils ont l'argent pour le projet, s'ils ont le temps pour le projet, s'ils ont des compétences. Pour voir si c'est des gens sérieux et c'est pas juste des gens qui ouais. de rencontrer ça. Et aussi, s'ils viennent de me demander de refaire la charpente de leur toit pour qu'ils soient mieux isolés pour dépenser moins d'énergie. Je ne sais pas faire la charpente d'un toit. Moi, je ne sais même pas ce que c'est la charpente voilà. d'un toit. Ah je sais ce que ah c'est un toit. C'est là qu'on sent que je passe trop de temps à la campagne. Euh... Attends, attends. C'est tu... ce qu'il y, entre... ce qu y a entre la poutre et le... Et attends, le et je dézoome. Pour que les gens y voient, euh, qu'est-ce que tu racontes Je dézoome. Donc là, ouais, vas-y. <laughs> Donc les, bon, les, les, ouais. Non, mais c'est ce qu'il y a entre... Ouais, le... <laughs> C'est ça, tu me saoules. Pourquoi je te saoule Parce que tu me fais trop rire. Pourquoi Parce que je sais pas. C'est citadin en fait. C'est entre les tuiles et ici. C'est juste aussi. je suis C'est incroyable de ne pas savoir ça. Mais je ne connais pas le mot charpente. C'est parce que je sais pas ce que c'est. C'est entre le plafond et les tuiles. Ça c'est le plafond. Ouais. Et il y a un truc qui cache qui cache l'eau de la pluie. J'explique si mal. Attends, la, non, charpente. C'est ton toit, c'est ce qui tient ton toit. C'est ce qui tient ton toit. Ok. Charpente. Google, en fait, il non non mais je, vois, je framework, a structure, a, a skeleton. All right, ouais ok, je comprends. C'est juste que je connaissais pas le mot charpente. Ah oui, moi. Non mais tout est ma faute. Et qui se vexe. Attends, je rezoome ouais. dans le truc parce que c'est moche. Ouais, pas de si. Donc mes projets pour le futur, bah, donc en gros je continue cette chaîne. Je pense que je vais ouvrir une chaîne de van life. Donc je vais ouvrir une chaîne. Tu vas devenir vanlifeuse ouais <laughs> exactement et euh, en gros je regarde plein de gens qui vivent juste dans leur van c'est un côté un peu voyeur tu sais ils mettent juste leur caméra et on les voit genre faire la vaisselle comme love story mais leurs euh... ouais mais sans action quoi du coup parce que et genre se baigner dans les rivières et tout et je pense que je vais faire ça genre donc ça, ça va être une troisième chaîne et je rêve de reprendre une troisième chaîne putain ouais. tu vas cumuler les, euh, ouais, les les boutons euh, YouTube. les boutons as YouTube quoi, euh, alors. Mais d'où tu parles <laughs> C'est le mec que je connais qui a le plus de chaînes YouTube. T'avais le programme sur non. Canal. Alors il y a une chaîne qui appartient à Canal Plus qui s'appelle Paul Taylor Canal Plus. Donc c'est pas c'est pas ma chaîne. C'est vraiment un cinéma. Non et mais c'est pas. Me critiquer Non mais c'est pas ma chaîne à moi. La chaîne que j'ai s'appelle juste Paul Taylor et cette chaîne-là où je fais les lives, c'est tout. Ouais. Et, la... et Paul Taylor Canal Plus et. Euh... Ouais j'ai déjà dit. Et il avait... la... y avait donc ça fait trois et il y avait la playlist. What the fuck France à l'époque, c'était pas une chaîne pas une chaîne. Oui, la chaîne s'appelait What the fuck France. Excuse-moi. Non, mais c'est la même chaîne que Paul Taylor. Oui, mais moi ça va s'appeler Une vie simple. Donc ça sera pas son périssé. Ce sera une vie simple. Alright. I'm an ego maniac. Qu'est-ce que tu veux Je comprends très bien. T'inquiète, je sais pas. Raquel dit viens voir au Grand Rex. Bah, viens faire la première partie si tu veux. Non. Je vais te lâcher la veille. Non, le jour même. Ouais. Ouais, des eaux short. Ouais, des... j'ai un tournage, je me concentre vraiment sur la production. <laughs> Swan, c'est 2800 personnes, merde Putain, c'est incroyable, je savais pas que t'allais faire ça, bravo, félicitations. Oh. Euh... Ah, oh. il faut parler plus proche de ton micro, parce que ah, je... moi je crie Coucou. trop fort, et, euh, et, et toi non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu faire de la musique, Swan. Alors, c'est drôle, parce que je t'ai envoyé un texto. Ouais. Mais j'étais déjà ici. Étais déjà, J'avais déjà ah, quitté la caravane. Ah, d'accord. Parce que je t'avais dit, euh, ouais, euh, si tu veux. Parce qu'à un moment donné, sur scène, tu ramenais un mini clavier ouais. et tu faisais des trucs trop marrants. Euh, ouais. Enfin, tu faisais de la Ça la, ressemblait la... un peu à ce que tu as là, là, un truc avec des boutons. Ouais, euh, le, et je il, me suis dit, de... ah, si, si tu voulais ramener de la musique. Ouais, t'es euh, très mignon. Et t'as dit quoi, quoi Tu veux que je chante une chanson que j'aime bien <laughs> Non, non, non c'était même pas tu veux que je. Je me rappelle plus ce que t'as dit, mais c'est drôle. Non, mais j'ai dit genre comment ça, musical, euh, parce que j'étais pas sûre de ce dont t'avais besoin. Ouais. C'est vrai qu'il y avait un moment où j'allais beaucoup sur scène avec. Euh, j'ai fait deux trucs, donc une loop station. Je suppose que. Une loop station, ok. Euh, un truc Sabrina, suffirait... je suppose que tu parles de ça, bah, voilà, qui enregistre ma voix et j'enregistrais ma voix par-dessus. Et à un moment, j'avais carrément upgradé ça sur scène, je faisais de la musique sur ordinateur. J'avais un ordinateur, une énorme tablette avec plein de boutons et j'enregistrais le public et les rires du public, et les prénoms du public sur ma voix et tout, et je faisais de la, de la comédie un peu inspirée de Reggie Watts, Bob Burnham et tout, ouais. où je reprenais les gens, je disais des trucs absurdes, je partais en impro et tout, c'était incroyable. Euh, mais euh, la vie m'a amené ailleurs, tu vois, maintenant je vis dans une caravane et je fais de l'écologie, donc... Euh... Ouais, mais j'ai adoré, j'en refais un jour, tu vois, <laughs> mais c'est vrai que à un moment, je, faisais, euh, je connaissais trop bien Ableton, quoi. <laughs> Ableton Life, c'était ma carrière. Euh, Il y a une autre Louane, je sais pas si, euh, non, si... Pas. non, mais tu vas refaire de, de, de la musique comme tu faisais avec le fameux je vous aime donc c'est ça dont je viens de parler j'en referai sur scène mais en vidéo ça me fera plus il faut une chaîne youtube où c'est Swaniloop Swanmusic c'est ça et connard quel con what else what the questions you have people si vous avez des questions n'hésitez pas ah, regarde, il bah, y a quelqu'un qui, euh, qui demande, Johan, si tu. Euh, drinking. Uh, punk IPA, Swan. Oui, tu, euh, on boit tous les deux du Punk IPA. C'est ça. Je ne vais pas commencer à me lancer sur la bière. J'ai une sœur qui est fan de bière, elle connaît tout, mais moi, je ne connais pas trop les différences, donc pas... euh... ouais, ouais. je ne vais pas. Je T'en es où, là ouais, Je ne sais pas si tu veux une deuxième. Léo, Je n'hésiterai pas à te demander, t'inquiète. Ah, hein ok, deux. Ouais. Euh... Ah oui, il euh, y a des gens qui me demandent si Rowley vient. Non, Rowley ne vient pas. En fait, j'ai un pote québécois qui qui s'incruste trop bien euh, tous les lives j'adore il est pas là aujourd'hui parce qu'il a un vrai taf euh, ouais. euh, où il fait des photos et tout ça donc il est pas là et encore c'est genre la quatrième fois qu'il n'est pas là je crois qu'il a abandonné le live ils sont pas non les alors ouais. Oli mais ce qu'on fait on fait souvent euh, des petits trucs euh, d'expressions de, québécoises et des trucs comme ça ah trop sympa. bien sinon euh, on peut faire le truc le jeu de, 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 des expressions anglaises toi your, your english is pretty good so I think going to be good at this I everything. I say your english is good yes it is but non, t'es vraiment un gros bâtard de montrer ça. Tu vois, c'est atteinte à la vie privée. Ah. Déjà, t'es remonté les textos de mon mytho d'il y a 5 ans pour pas venir sur scène. Euh, ah, la honte. Alors, euh, j'ai texté Swan juste avant euh, le, le live pour dire euh, qu'est-ce que tu veux manger. Je vais commander un truc. Donc je commande de Chipotle. Et moi, je voulais être trop sympa, tu vois. Mexicain. Et euh, ça, il s'avère qu'elle aime bien euh, le, le Chipotle mexicain. Donc on s'envoie des textos. Euh, J'espère qu'on va Attends attends, j'enlève la partie euh... Oh, il y a rien, enfin, c'est juste ha, ha, yeah, yeah. right. Here we go. Je te dis merci pour la nuit. Quoi Donc, <laughs> okay. this is a text. Blah. Do you like guacamole. Yeah, bla bla bla. J'adore et euh, et après euh, elle écrit I'm leaving the dream. Moi, j'ai rien dit parce que je suis sympa, tu vois, j'ai pas envie de d'insulter les gens en disant non, on fait c'est pas on dit pas leaving, machin. Euh, Cinq minutes plus tard. 5 minutes plus tard, elle dit leaving what the fuck. <laughs> Bah, c'est vraiment, okay. vraiment oh. pour les English speakers, mais en gros, c'est une énorme faute une, qui n'existe que... pas en anglais. C'est la honte de faire ça. Et en <laughs> fait, j'ai vécu en Caroline du Sud. Mon premier spectacle, d'ailleurs, était sur les États-Unis. Et, euh, et j'avais un super accent. Je parlais, euh, je disais « I'm from France ». genre Vraiment, j'avais un accent du Sud, trop stylé, je parlais trop bien, j'étais complètement bilingue. Et là, je fais « I'm living the dream <laughs> ». Et j'ai honte... <laughs> et ça prouve à quel point je suis en manque de international ouais, life. Non mais ça va, c'est une faute que beaucoup de français font parce que m'a rien dit. J'ai je... fait leaving ». What? Mais fuck didn't wanna, Je ne voulais pas dire uh, I didn't want to be like oh, ah, your english is shit. Ha, ha, oh, ha. Because it's just a, it's a because often french people even if they say I'm living the dream, they think they're leaving. They the they spell <laughs> it leaving. Genre je quitte le, le rêve. rêve. I of, le... <laughs> au lieu de « je suis en train de vivre le rêve », c'est euh, « je quitte le rêve »,« I'm leaving the dream <laughs> ». Et en plus, je suis trop chiante. Tu sais, j'ai des salariés dans ma boîte et tout, et je, et je suis trop chiante avec eux, l'orthographe. Vraiment, je leur fais la morale, je les fais culpabiliser, tu vois. Mm. Je suis là, tu trouves ça normal et tout. Genre, vraiment, je suis, je suis une grosse psychopathe et tout de l'orthographe française. Et là, c'était vraiment la honte, voilà. C'est vraiment des, des blagues de bilingue, mais voilà, j'ai It's alright, it's fine. So, your English is great. Yes. But we're going to test it because I do a thing uh, oh with no. every guest. Oh, for God's sake. I should have watched uh, other lives. It, it, when it, you it, sent them to me, I was like, yeah, sure. And uh, yeah, it, They're can an recall? hour long. You have time for that my, shit. Uh... You're busy being a businesswoman. So uh, there's a part of the show called Express Yourself where people send in their favorite expressions in the other language of the guest. Okay. So today it's and English. I have to translate it. And then you have to find out whether you know it, first of all. And then if we don't, we can translate and we have fun. And they're okay. usually expressions. So, ladies and gentlemen, uh, send in your favorite, funniest, most rude English expressions uh, for Swan to figure out if, if she knows them or not. Ladies and gentlemen, let me put, let me do the fucking jingle. It's time for express yourself. Oh, you've got something interesting to say, do you? Well, go on, say it. Right. Say it in English, you yeah. know, and we'll see if it's interesting. I love it. Express yourself. All right, all right, all right. Let's go. Uh, Okay, this is a good one for Swan straight away uh, from Yuan to flick the bean. That means let's have sex. It's close. Let's have a blowjob. No, it's not. Let's anything. Uh, turn around, and I'm gonna take your ass. <laughs> turn around, and I'm gonna take your ass. That is. <laughs> I haven't had sex that's almost for like, a while. First of all, that's almost like and I haven't leaving had sex a dream in English for. Like <laughs> That's leaving the dream to take the art. What did you say to take? I can't remember. No, it's not that. Uh, All right, imagine it. What is it in French? Translate it. Uh, flick, I don't know. Uh, retourne le haricot. Flick. Uh, flick. Surveille le haricot. Uh, surveille. <laughs> Comme fliquer. <laughs> <laughs> oh, la not, honte! Not. Oh, so, je meurs! So, so, flick is this, this movement-là. Ah, uh -huh. uh, uh, fait une pitch-net au haricot. Ça ah, s'appelle une, pi une pitch net. ça je non, savais pas. Tu vois. Une pitch net. je me une, suis trompée en français. <laughs> La charpente. Ouais. Ça veut dire dégage le haricot. Ça veut dire veut... euh, lave-toi l'anus. Lave-toi l'anus, je sais Alors, pas. Pour... J'essaie de deviner. Oui, mais de... Non, mais moi je joue le jeu. Je sais, mais haricot, qu'est-ce que ça pourrait être bah, L'anus. Penses... Dans, quel... Dans quelle vie est-ce qu'un ah, haricot ressemble Le clitoris. Correct. Thank you. Donc ça veut dire euh, agite mon clitoris. Ouais, voilà. Agite, c'est un nouveau verbe, agitate. Ça veut dire tripasse mon petit. Ça veut dire ouais, flick the beans, ça veut dire se masturber, voilà, pour je le savais, une nana, tu le savais. good one. Good one Yoann. I fucking love it. right. What else? What else have we got? What else have we got? Je vais comparer de la route tout de suite, on est dans le sexe. Bah oui, c'est toujours les premiers qui sont plus drôles. pardon my french, Malcolm, it's a bit easy. Uh, Mais je peux répondre au moins d'être stylé, quoi. Ouais, vas-y. Ça veut dire, excusez-moi, je suis mal poli. I'm rude. Je dis des gros mots. Sorry uh, we... for swearing. Ouais, yeah, c'est ça. Est-ce que ça dit... c'était bien dit ou pas Ouais, yeah, sorry for swearing, yeah. Uh. <laughs> Look, here's another one. Alex, classic, to leave on the edge. It's not to leave on the edge, it's to live on the edge. <laughs> leaving... Il se fit de notre gueule avec gueule. Ça veut dire être un peu fou. Euh, vivre dans une caravane, prendre des risques... Euh. <laughs>

Le Gizmo... Le Gizmo un nom de Furby, un truc comme ça Oui, c'est un film... Non, c'est un des chanteurs de trio Arrête Sur ma vie Gizmo Il s'appelle Gizmo. Ouais, je suis... Ce n'est pas son vrai nom. Gizmo, c'est le... dites moi si Gizmo, c'est pas l'un des chanteurs de trio. Non, ouais, mais peut-être, mais Gizmo, tu sais, c'est les petits trucs comme les furry things, c'est mais... C'est Oblero, si, c'est sûr. C'est quoi le nom du film, Ouais, ça me dit quelque chose. Gizmo. Je suis sûr qu'il y a Il est dans le film Gremlins, c'est ça. Dites-moi, les abonnés, allez sur... C'est ça, regarde, regarde ça, c'est Gizmo. Ouais, mais j'ai une autre théorie. Est-ce que quelqu'un peut regarder sur Google si Gizmo euh, est l'un des chanteurs de trio Auquel cas, je suis tellement vieille et genre mes souvenirs se mélangent. J'essaie de faire des runnings alors qu'il n'y a, a pas lieu d'être. C'est terrible. <laughs> uh, uh. Oh, this is a good one. Harsher. Sweating Tra -tra -tra like a hooker in church. <laughs> Just sweating like a hooker in church. Bah, Je suppose être, right être mauvais. Euh, transpirer beaucoup. Ouais. Et ça veut dire transpirer comme une prostituée dans une église. Voilà. L'autre, c'est « Sweating like a, like a pedophile in a playground wow. ». C'est l'autre qu'on oh, utilise en britannique. C'est comme un pédophile on dans a un... On a l'image, <laughs> on a tous l'image. On a tous l'image. Oh God. Uh, vous êtes bien aujourd'hui, j'aime bien ça. Um, what else have we got uh, In English, what are the other ones Tout le monde dit qu'il n'y a pas, pas chanteur de chanteur de... Gremlins, ok, a Gremlins. De... Gremlins. C'est un peu... Euh, c'est un rappeur, apparemment, Gizmo. Gizmo dans trio, oui. Raquel Il y a Ligao. bien un Gizmo membre de trio, tu vois Voilà. C'est parfait. Uh, like a pig in shit. We did that one last week. Uh, but let's do it again. Like a pig in shit. C'est ce que veut dire Max Hammond Like a pig in shit. Bah, à l'aise comme un poisson dans l'eau, quoi. Correct. Pas drôle. Voilà. Ça, c'est le talent. Le bilinguisme. <laughs> Attends, c'est rôle, ma veste au milieu. Ça, ça cache ton décor. Ouais, mais ça fait longtemps que le, le truc, il est là. Personne n'a vu Hein bah, du coup, tout le monde a vu. Uh, bah, maintenant, oui, bon, là, ça va aller. Um, oh, God. Uh, this is a good one. Tyler the hass. To go over like a lead balloon. Je, je l'ai jamais utilisé euh, dans la vraie vie, mais... Uh. Lead balloon, ça doit vouloir dire mongolfière uh, Mongolfière, mais lead. Mongolfière dirigée Indirigeable Non, ça c'est lead. We're <laughs> we living a dream again. Uh, lead, lead. Je ne sais pas ce que ça dire. Je crois qu'il y a peut-être. Lead, lead, lead. Ça c'est dans le passé, mais lead, le, mat... pas le, le, le le matériel, non, le matériel, le nom lead, lead, sorry. Je go over the like lead balloon. Ça non, veut dire... non, lead balloon. Ça veut LED. dire outrepassé. Ça veut dire, ça me passe au-dessus. Ça veut dire, euh... Euh, franchement, euh, je n'en ai que faire. Je n'en ai que faire, pardon. Non. Je n'en ai que faire. Euh, LED, c'est, euh... c'est ce qu'il y a dans les charpentes, je crois. <laughs> c'est euh, euh, du plomb. Ah non, de la euh, de l'amiante. Oui, OK. C'est le truc non mais c'est le truc négatif ou pas un Non, c'est plomb, c'est vraiment plomb. En fait, j'ai trop de connaissances du plomb en, de, de la innovation. Innovation. du plomb. Du plomb, du plomb. Du plomb. Donc, imaginez une monde dans le fier. Ah, ça veut dire ah OK, ça veut dire ne pas du tout être euh, délicat. Ça veut dire comme un, un éléphant dans un, au milieu d'un magasin de porcelaine un petit peu ouais si quelque chose goes over oh that joke went over like a lead balloon ça que <laughs> ça a plombé ça a plombé l'ambiance ça a plombé l'ambiance ouais toi et bah, moi il bah, bien euh... c'est prendre un bide quoi ouais okay. c'est prendre un bide c'est quelque chose cool. qu'on connaît très bien oh this is a good one kelly garcia uh, to steal my thunder tu m'as tu m'as pris toute mon énergie quoi tu m'as mm. tu m'as tout pris paul tu vois c'est pour ça que j'ai arrêté le stand up c'est à cause de toi c'est que t'as vraiment steal my thunder quoi ça pourrait être ça mais c'est okay. pas Alors, mais, ça... mais, mais... Alors attends, ça veut dire tu m'as pris ma gloire. En fait, regarde clairement le contre là, il est sur moi donc les gens ils me regardent moi parce qu'il y a le contre. Moi je suis fan du contre, tu vois. Ouais. Une vidéo avec un contre, c'est une vidéo qualitative. C'est pour ça que je suis venue sur ton live, j'ai craché. Très bien. C'est pas comme si y avait le corona. Donc on me voit, c'est moi qui ai le thunder. C'est vrai. Fan oui, de, tu on, vois peut, on pourrait dire sur que échange, you're me... stealing my thunder. Exactement. c'est ton show parce que moi les gens ouais. ils sont battent les couilles de moi. Donc ça. ouais, tu <laughs> c'est ça, tu me voles la 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 vedette. La vedette. <laughs> voilà. C'est ça, j'adore ça. Um, right, here we go. Ca Carlos Camejo. Boom, boom, boom. Another one bite in the dust. Do, do, do. Yeah, another one biting the dust. Do, 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 do. Ça veut dire je me suis encore chié, quoi, non Non. Qu'ils qu aillent non. tous bien mourir, c'est ça que ça veut dire Non. Ça veut dire euh, je persévère, quelle que soit la galère. Non, mais t'étais pas loin au début. Hein. Ah. C'est uh, Another Attends. one in the dust. C'est euh, en, encore. Euh... En fait, tu peux l'utiliser dans plein de contextes. Ça veut dire j'en ai vu d'autres. À, à d'autres. <laughs> je me bats pour. Attends. Ouais. Euh... Es pas obligé de la En, en un, euh... <laughs> Attends, non, non, je jouais, je jouais. Euh... Une autre personne mort la poussière. Euh... Ça veut dire il les, il allait. Les... Eh, lui, eh, lui, eh, lui. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Lui, il a les dents qui rayent le parquet. Alors, ça, je sais pas si mais Ah, peut mais peut-être. Ah, bah là, on se moque plus de moi. On sait pas ce que ça veut dire quelqu'un qui raye les dents sur parquet. Je commençais à être bourré en fait. Après une demi-bière. Ouais, c'est qui qui raye le parquet connais si mal. Je sais pas ce que ça veut dire avoir les dents qui raye le parquet. Chè, mmh. chè, chè, chè. Tu sais ce que ça veut dire chè Oui, ça, c'est un truc arabe qui veut dire bien fait pour toi. Ouais, guerre. mais bon, tout le monde l'utilisait dans les années 90. C'était pas Oui, arabe. mais moi, j'ai appris ça il y a deux, il y a deux mois, quoi. Euh... et on faisait ça comme ça avec le dent. Ok, le... super. Bon, euh, n'esquive pas. Ça veut dire quoi Paul, ne regarde pas la, la solution. Non, de vais... Pas la... Oh, euh, le... le, 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 le qui... ouais. Elle, là, elle a les dents qui rayent le parquet. Je... C'est un truc sexuel, hein Non Pas du tout. OK. Je pensais que c'était ton truc de retourner et puis... Euh, to take the ass. Parce que sur le parquet... Bref. Ouais. Oh, euh, Moi, j'aime bien euh... quand elle a les dents qui rayent le parquet. Wow. C'était super. Je sais pas ce que ça veut dire. Non mais en fait les gens ils ont compris que c'était métaphore sexuelle parce qu'ils connaissent le vrai, son. le vrai sens. Bon, j'arrête de boire, première chose. Et deuxième chose, euh, non ça veut dire avoir trop d'ambition. D'avoir de les dents qui râlent le parquet. Ouais. Ah, okay. Je comprends pas pourquoi. Ok. Bah non, non, ça n'a rien à voir. un autre Break dance, tu l'utilises dans un contexte, euh, par exemple, euh, littéralement c'est genre quelqu'un qui meurt, qui, qui mord la poussière, parce ouais. que... Euh, qui meurt, ouais. mais tu l'utiliserais dans un truc genre, imagine... Dans toi ton contexte, c'est quelqu'un qui a, qui a arrêté le stand-up. Ouais. Tu diras ah oh, un house. autre un autre parmi les autres. Un autre, autres, pas, pas. Ouais, un autre non pas parmi les autres mais ouais un autre c'est un autre est parti. Un ouais, autre c'est euh, ouais. cassé la gueule un autre euh, est, est parti. Euh, des gens qui feraient des blagues très mal, euh, euh, avec mauvais goût en ouais, ce ça, moment. Ouais. Tu dirais, il euh, y a un autre qui est mort du Covid. Oh, another one bites the dust. Okay. Tu vois, ah, c'est oui, utilisé d'une oui. façon aussi souvent ironique en anglais. Oui, c'est ça. Et surtout, un de plus, un de moins, on s'en ouais. fout. Tu vois, okay, exactly. exactly. uh, Right, en parlant, Hiddig, uh, hey, this is a great segue. Mm. To go cold turkey. Ça veut dire devenir euh, dinde froide. <laughs> euh... Ne plus avoir de libido Non, mais c'est pas trop loin, euh, c'est pas sexuel. Euh, prf, devenir rabat-joie party pooper. Alors, euh, la conséquence de aller cold turkey, c'est que souvent tu deviens un party pooper. Comment tu le dis avec ton accent anglais Party pooper. Party pooper. <laughs> As-tu redit Party pooper. Party pooper. Party -pa un party pooper quoi. Euh, Quelqu'un qui fait caca sur la fête, j'adore. <rire> euh, <rire> ça. Ça. Euh, je sais pas, ça veut dire euh, devenir euh, ff, ff, être, être blasé, être désillusionné. Non, je te donne un, un, une dernière vas tentative. Vas-y, je peux mettre comme ça ou pas Ouais, ouais, si tu veux. <laughs> vas-y, quoi Bah, vas-y, dis -moi. Ah, j'ai une dernière <laughs> tentative. Ça veut dire euh, tu ne manges plus jamais de dinde. Tu deviens végétarien et, et, quand bien, et quand bien même végétalien. Je n'avais rien dire en non. français non plus, c'est vrai. Ça veut dire, et je ne sais pas d'où vient la mm. truc, mais ça veut dire ne, ne plus boire. Ah ouais. If you've gone cold turkey, c'est que tu bois plus. C'est pour ça que c'était drôle parce que tu avais dit. Ça euh, que me, arrête ouais. de boire. Ça va, boire Ça, ça, ouais, c'est ça. Ah, c'est super. T'es super. Dig. <laughs> he, he dig. He dig! Alright, well done. You did pretty well. <laughs> on, the, uh, on the expressions. Well done, ladies and I gentlemen. I loved it. Uh, right, what else? What other questions do we have? To close up part one of the show. i in for pour the first part of show? And then don't forget to join us on Patreon.com on the page of Paul Taylor. Patreon.com slash Paul Taylor. Uh, yeah, don't hesitate. You would have to pay though, but it will be more intimate and we will just speak like that. I don't, are, are we going to speak like that? I don't know. If you want to speak like that, you can speak like that, yeah. Yeah. I'm trying to. Bring people to your Patreon page. Ouais, ouais, mais merci. Okay. Euh, apparemment, Cold qui on peut l'utiliser euh, pour, pour autre chose que l'alcool. C'est ah, juste okay. que moi, je l'entends souvent dans le contexte de l'alcool parce que je vrai. bois trop. Et surtout parce qu'on a 30 ans et que tout le monde commence à dire oh, non, stop. Ouais. <laughs> j'arrête là. La... Mais pourquoi Comme ça. Mais c'est un choix de. Non, non, juste j'arrête. Ça ne me correspond plus. Quelle tristesse. Euh, right. Sabrina. Euh... Attends, moi, j'ai une question. Est-ce que les gens peuvent venir pour le live sur Patreon Juste une fois, est-ce qu'ils doivent s'abonner forcément ou euh... Ouais, non, en fait, en gros, ça coûte 3 balles par mois. Ouais, mais en ça. fait, tu payes 3 balles et, euh, as, et, tu peux et pendant mois un mois, tu as accès à tous les anciens lives, euh, partie 2. Et après, tu peux te désabonner au bout d'un mois. Trop bien, donc s'il y, y a certains ça, mais... de mes abonnés qui sont là et que vous voulez qu'on continue oui. cette soirée ensemble, qui est trop bien, n'hésitez vraiment pas ouais, à venir. 3 euros. Ça coûte 3 euros, on passe un bon, un bon moment. Et encore une fois, c'est pas parce que les ça... les bières que j'ai achetées voilà, pour... Euh et ça coûte pas 3 euros, c'est juste, c'est aussi pour soutenir Paul et son travail incroyable. Ouais, parce qu'en vrai, moi, les 3 euros, je les utilise pour acheter des micros et des trucs comme ça. Toi, tes 3, 3 euros, t'en fais ça après. Ouais. Je vais dans la rue, je descends, et je rentre dans le supermarché, et je fais, hey, give me some fucking beers Exactement. Euh, c'est quoi, euh, question de Sabrina, c'est quoi le plus gros challenge écolo pour l'instant euh, Le truc le plus dur que j'ai jamais fait, c'est d'être végane pendant 21 jours. Mmh le truc le plus dur physiquement et euh, au niveau du fait que j'avais pas de compétences en bricolage c'est construire des toilettes sèches donc une grosse cabane intelligente parce que ça demande de l'intelligence de mettre un trou avec du là où tu peux faire tes besoins et que ça se transforme ensuite en compost euh, tac 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 voilà c'est bien c'est bien euh, ouais ouais je, je sais pas si c'est moi je, je, c'était euh... Plus général, tu vois, en, dans le monde entier, c'est quoi le, le, le truc plus gros, le plus écolo Le, du... le, plus, le gros, plus gros challenge écolo que le, le monde enfin, euh, a en ce moment ouais. C'est euh, En 2025, il n'y a plus de pétrole et je vous souhaite une bonne soirée. <laughs> voilà. Elon Musk. Il n'y a plus de pétrole. <laughs> ouais, c'est ça. Voilà, il n'y a plus de pétrole et tout euh, ce que vous avez autour de vous vient du pétrole. Et je vous souhaite vraiment une bonne soirée. <laughs> non mais, mais c'est horrible, il n'y a plus de pétrole donc il n'y aura plus d'essence, il n'y aura plus de plastique ça va pas arriver d'un coup mais euh, on sait plus... en fait ça coûte plus cher de l'extraire du sol euh, que de le vendre donc en fait il y en a encore du pétrole oui. mais ça nous coûte plus cher de l'extraire que de que que le vendre donc ça plus loin, sera plus rentable ça... voilà, ouais. parce que c'est sous les océans et donc euh, il va falloir euh, trouver des solutions et le truc c'est que les solutions alternatives on peut les trouver maintenant je caricature un max hein. genre les éoliennes euh, euh, entretenir euh, le voilà le, le solaire etc et sauf que pour les fabriquer il faut les fabriquer maintenant parce qu'on a encore du pétrole et pour les fabriquer on a besoin de pétrole mmh. et à un moment on va arriver à un moment où on n'aura plus de pétrole et plus de pétrole pour construire des choses qui compensent le pétrole oui c'est devenu je, tellement intense non, non, ouais, je, non ouais, je comprends ce que ouais. tu veux dire j'avais lu un truc l'autre jour euh, que euh, euh, je me rappelle plus qui parlait de ça c'était peut-être Elon Musk qui parlait de ça où il disait euh, où il disait, c'était peut-être pas lui, mais en gros, il disait il euh, y a un gros problème avec euh, l'électrique en ce moment, genre les voitures électriques ouais. et les scouts électriques ouais. et euh, les trottinettes électriques. C'est qu'à un moment donné, euh, très vite, très très vite, il va falloir trouver un moyen de recycler les batteries. Ouais. Parce que là, c'est cool, euh, zero emissions dans les rues de Paris ouais, avec vrai. tout, mais ces batteries durent pas euh, 40 ouais, ans, vrai. ils durent euh, 10 ans max, vrai. et dans 10 ans, on va se retrouver avec des. Ouais, de batteries usées, de voitures électriques, ouais. de, de tous ces trucs électriques et qu'est-ce qu'on fait en fait ouais, c'est vraiment un gros débat mais on a très bien enfoui le nucléaire et tout. Tu sais que le nucléaire avant le, euh, les déchets nucléaires on les lançait dans l'océan. Oui ouais. Et tu bah, connais le sketch de Yassine Bellous euh, Je sais pas si tu l'as vu mais oui. si vu, je l'ai vu sur scène il y a 5 ans tu vois. Mais genre il poussait, il disait je veux pas voir les déchets, je les pousse, ils sont moches. Non, je veux pas voir, je veux pas voir. C'est vraiment ce que font les humains depuis des années mm. et à un moment on les lancers dans l'espace aussi. On était des déchets nucléaires dans l'espace, on faisait... Loin de bah, nous, bah, tu bah, vois, bah, genre, ouais. ils vont nous retomber dessus à un moment quoi. Et attends, il y a des gens qui me demandent mon, mon expression française favorite. Ah ok, ouais, parce qu'on n'a pas fait des expressions françaises, parce que t'es française, mais oui, vas-y, expression française. Ça perd l'hypopète, je pas pas pense. C'est pas mal. Moi, euh, j'aime bien, parce que c'est beaucoup trop long. Le capitaine Haddock, dit ça, je pense. Bachibouzouk Capitaine Haddock, c'est pas le mec qui fait les fish fingers et tout ça. Peut-être la pub mais c'est surtout le meilleur copain de Tintin. Ah! Merci beaucoup. All right. Le mépris est total. <rire> <rire> euh, ça perd All right, Nice. Uh, what else? What else? What else? J'ai yes. pas dit que les éoliennes. Vous, vous faites le cinéma. Hein. Qu'est-ce qu'il y a J'ai pas dit que les éoliennes, c'était la solution. Vous commencez pas les tatillons, les tatillonnes. Non mais je les connais. Je les connais. Ce, je vous connais, je vous aime. Parce que vous êtes survers chez vous. Les tatillons, les tatillonnes, ne commencez pas. J'ai pas dit que les éoliennes. Et je n'ai pas commencé à parler du nucléaire, donc ne commencez pas, OK <laughs> Vous me saoulez. <laughs> J'ai juste dit qu'il n'y a plus de pétrole. Commencez pas à vous enflammer. Ils, oui. savent, très bien, ils savent très bien de quoi je parle. Okay. Laura, parce tu ta... sais très bien de quoi je parle. Hein. Que tu es une, une Parce que tu as fait une vidéo... Euh... Mais non, et parce que tu fais un truc en écologie. Il ouais. y a forcément des gens qui sont plus écolo que toi et des, des oui. gens qui sont moins écolo que toi. Donc mais en fait, il y a euh... toujours des gens qui sont fous de rage ou qui tatillonnent. Et, et, et surtout, quand tu dis bricolage, il y a le roi de moi, je n'aurais pas fait comme ça. Mm. Beaucoup d'hommes qui disent moi j'aurais pas fait comme ça. <laughs> Donc tout le monde ouais, vient. Donc c'est des, des, des vidéos où il y a par exemple beaucoup plus d'insultes ou de critiques que sur ma chaîne principale. Où je fais de l'humour, t'aimes, t'aimes pas, ouais. tu vois. Où je raconte ma vie, t'aimes, t'aimes pas, voilà. Et là c'est vraiment des gens qui veulent te dire comment faire ou qui te disent oui mais il y a mieux. Oui mais il y a d'autres. Parce qu'il n'y a rien. L'activité humaine n'est pas écologique. Mmh. Donc en fait dès que tu proposes un truc, ils disent oui mais gna gna gna, oui ouais. mais truc. Et Laura. Ouais, tu vegan, mais en mais, fait, euh, ouais, t'achètes tes vêtements. Euh... pas Laura comme ça, la pauvre. <laughs> non, mais, <laughs> non non mais, mais Laura, t'es sûrement adorable et tout, il a pas de souci, mais euh, ne me faites pas dire des choses que j'ai pas dites. J'ai juste dit, euh, on sait pas trop comment faire. Sans... En fait, voilà. ce que t'as dit, qu'il n'y a plus voilà. de pétrole. Et on euh, sait pas, et pas y trop avait... comment faire pour l'instant, euh, et on, on ignore, on est dans le déni de ce qui arrive, mais c'est pas grave. Ouais. Je suis dans le déni de plein de choses. hein beaucoup trop longtemps que je pas fait l'amour Quoi Right, let's do one more question. Uh, before the end of part Soit à partir de quand tu estimes On passera au point de non-retour sur l'écologie Je crois que c'est déjà fait. Hein euh, 2027. <laughs> 2027 Ouais. Sorti on en ton... parlera à toi. Ah bah, je pense que c'est le temps qu'il y ait l'impact du pétrole. Tu crois que ça. Tu veux, tu veux croire que, mais non, je pense qu'il va arriver des choses qu'on soupçonne même pas personne. Enfin, quelques personnes avaient anticipé le coronavirus, mais c'était ça ou ça ou ça ou ouais. ça. Mais par contre, on est sûr des énergies fossiles qui n'existent plus, on le sait. Mmh. En fait. Donc il y a des choses qu'on qu a prévues, et ça va être une cata. Euh, et il y a des choses qu'on n'a pas prévues, genre le corona qui sort de nulle part. Ouais. Euh, il retarde y, ouais. enfin, y, en fait. y a des trucs. Est-ce que je dis ça Je sais pas. Il y a aussi des trucs énormes. Donc, tu sais, le permafrost qui fond, c'est les glaciers qui fondent. Ouais. Et ça va libérer des trucs dans l'air. Ouais. Qui vont peut-être tous nous tuer. <laughs> Moi, j'ai hâte. Allez. Mais pas avant la deuxième partie, parce qu'on ouais, ouais, Avant ça. que ça, ça arrive. <laughs> ça as vu la transition. Mais donc, en gros, qui fait votre vie et <laughs> essayez de faire ce que vous pouvez. Euh, non, it's well, all right. well, uh, uh, Super. Merci pour vos questions. Pour Swan, merci uh, ouais. d'avoir joué le jeu pour la incroyable. première partie. La deuxième partie, on va commencer dans 5 minutes euh, sur patreon.com/slash uh, Paul Taylor. Uh, je, on a raconté au début si vous venez de joindre ouais, le Venez, c'est sympa, bah c'est un bon euh, moment. C'est la deuxième partie, plus intime, il y a moins de gens et tout ça. Uh, si les gens ne viennent pas uh, pour la deuxième partie, uh, où est-ce qu'on peut trouver Qu'est-ce que C'est quoi C'est quoi ah. l'actu que tu as envie de, de montrer Trop bien. À part la chaîne qu'on a déjà regardée, euh, Écolo. Euh, ah, trop bien, vers chez vous. Vers chez bah, vous. bah écoutez, donc j'ai deux chaînes YouTube. Une chaîne qui s'appelle Swan Périssé. Donc Swan avec deux N. Alors que sur Tinder, c'est un N. Et euh, Périssé, comme Périmé, avec deux S. Et <laughs> j'ai. Euh, donc j'ai cette deuxième chaîne YouTube, si vous vous intéressez à l'écologie. En fait, le but, c'est de vous montrer des choses que vous pouvez faire à la maison. Swan Périssé. Ah putain, la première voilà. vidéo, euh, elle envoie direct mon corps. Ah <laughs> euh, ça me ressemble beaucoup cette miniature. Donc ça, c'est la, la, la première chaîne. Deuxième chaîne, c'est euh, vert, euh, vert, euh, vert, vert, vert. vert Chez Vous. Voilà, c'est ça. Deuxième chaîne YouTube. Et euh, sur Instagram et tout ça aussi. Euh... Instagram, c'est pareil. C'est Swan Périssé, tout attaché, sans accent. Et Vert, tiré du bas, Chez Vous. Ah, t'as un Instagram pour ce truc-là aussi. Exactement. Et put it on the screen. It's Swan Perry say. Swan Perry say. Enfin, perisse. Perisse. Ouais. Oh, for fuck's sake. J'arrive pas à trouver. Euh, donc, vert chez vous. Ouais, vert, tiré vert du euh, bas. C'est parce que je suis dans les messages. T'inquiète. Euh, vert, vert. Chaise. Et Merci, les amis. Et non, moi, je perds pas du tout espoir. J'adore le monde, j'adore la vie. C'est pour ça, trouver du kiff dans l'écologie. Si vous ne voulez pas kiffer, ne le faites pas. Parce que, bon, la vie est courte. Il faut surtout aimer, euh, faire l'amour, rigoler, boire, partager. Voilà, c'est ma vision de la vie. Nice. Faut le dire quand même parce que bon. Ouais. C'est vrai sur ce truc de pétrole, c'est cousu. Bah non mais, non, mais bon, tu bon, euh, sais es, on est on est un court passage sur terre, la planète elle va très bien s'en sortir sans nous donc euh, profitez bien quoi. C'est vrai. Bah Axel euh, dit soit tu es génial. Merci, merci Axel, merci à tous les les super abonnés qui sont venus, les tiens qui sont trop bien. Oui. Et vraiment attends, je vais faire ma journaliste et franchement je kiffe trop ce que tu fais Paul, c'est trop merci. bien. Et euh, genre vraiment bah je... Donc j'écoutais ton podcast quand tu te lançais dans l'humour il, il y a longtemps, je, je te l'ai dit juste avant le avant le live et tout ça, c'est trop cool. Et j'ai suivi aussi beaucoup quand tu as ouvert ta chaîne de vlog. Oui, alors je que c'était... Tu avais en envoyé un message genre ⁇ Bienvenue chez YouTube !⁇ Ouais, c'est ça. Tu avais ta méga chaîne de fame incroyable, mais qui était produite avec des moyens considérables sur Canal ⁇ et j'aimais trop ce programme et tout. Mais pendant ça, t'avais ouvert ta chaîne où tu racontais euh, oh, juste des tu trucs. sais et quoi tout. En parlant de, de What ouais. the Fuck, ouais. euh, la semaine dernière ou la semaine d'avance, la semaine dernière ou je sais pas sur le Patreon, ouais. j'ai montré le pilote de ouais. What the Fuck France dans, dans lequel, lequel j'étais ouais. où tu jouais une petite écolière ouais, euh, ouais. et j'avais oublié que tu étais dedans parce que c'était jimmo' euh, euh, c'était avec jimmo qui m'a dit ouais j'étais dans le pilote. J'ai dit oh putain ah oui, j'avais oublié c'est un truc qui a pas été diffusé donc euh, Patreon ouais, ils ont vu l'exclusif. Et c'est trop bien, j'ai vu jimmo il n'y a pas longtemps et tu sais Jimo depuis il a buzzé de ouf avec Montreux et tout et tu sais on se revoit, il y a quand même de la tendresse qu'on a passé une partie de notre enfance ensemble, tu vois c'est un peu bizarre mais... Je crois quand tu vis des scènes ensemble où tu joues devant cinq personnes qui rigolent pas... On se regarde et on sait tu vois, we're bound forever. Et ça soude, ça soude. Ouais ça soude c'est ça. Ladies and gentlemen, that is it for part 1, merci d'être là pour la première partie. Semaine prochaine, ce sera en anglais. Uh, it's going to be in English next week, so don't worry, parce que ça fait genre 4 semaines de suite que je fais ça en français, parce que les invités, ils sont en français. Voilà. Semaine prochaine, uh, lundi 20h, et uh, sinon, on soigne sur tous les réseaux sociaux, et sinon, uh, Patreon, on vous voit dans 5 minutes uh, pour la deuxième bien. partie. Uh, fais l'outro et puis je fais le jingle, comme ça tu fais un. Ça Merci à tous d'avoir regardé ce show incroyable sur la chaîne de live de Paul Taylor. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne principale, Paul Taylor. Ici, c'est que des lives en anglais, en français et c'est sous-titré le vendredi d'après. N'hésitez pas à revenir. Merci d'avoir été là et venez sur Patreon. Si vous voulez, vous pouvez acheter entre 3, 5 et 15 euros de peintes pour suivre avec nous et on vous embrasse très fort. Je crois que je vais garder ça en son. <laughs> tu sais, euh, je vais le clipper et faire ça à la fin de chaque truc. All right, ladies and gentlemen, thank you very much. On se voit bientôt. Bisous, bye, what's outro, 7, bye. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickhead soon for another episode.